Mesdames et messieurs, bienvenue. Alors, il y a eu une mise à jour de Road Builder aujourd'hui, on va aller checker ça, qui arrive en version 0.3, il était en version 0.2. Donc, il y a une petite mise à jour, donc on va pouvoir checker ça, on va voir ce que ça ajoute. Oula, alors je vois déjà des bouchons un peu partout. Quoi, des bouchons là maintenant hein. Oh, mais non, mais les gars là. Non, mais faites quelque chose. Eh, c'est joli quand même. Elle est jolie cette petite bourgade. Hein. Je vous présente notre petite bourgade. Bienvenue au Bréjang. Bienvenue au Bréjang. Vous avez ici le petit centre-ville avec son petit parc apaisé. Qu'on a fait tout à la main. Hein. Tout ça, c'est fait du, ça, c'est fait maison. Hein. Des petites allées avec des arbres là. Alors attendez, je vais faire ça. Voilà, on a envie de se balader là sous les arbres. Regarde-moi ça. Tac. T'as pas envie de te balader là en plein cœur de la ville. Regarde-moi ça. C'est tout mignon, c'est tout joli. Et c'est pas mal du tout. Hein. C'est beau quand même. Hein. La cathédrale en face, bien sûr. Et c'est pas mal beau. Hein. Avec les petits nuages là, regardez-moi ça. On n'est pas bien là. On peut passer dans les petits parcs, aller se balader avec les bambins. Et en même temps, on peut se dire, tiens, je vais aller faire les boutiques. Ah, il y a des SDF, tiens, let's go. Ah oui, il y a des SDF, merde. Oh là là. Et là, on peut se dire, tiens, je vais aller faire un peu les boutiques. Hop, je vais aller m'acheter, je sais pas qu'est-ce qu'ils vendent, par exemple. Tiens, c'est beau, hein. C'est quand même... Non, mais attends. Et c'est quand même organique, hein. Bon, la couleur de la façade de ce bâtiment est un peu chelou. Mais... Et en vrai, on dirait pas une vraie ville. Genre, je pose une caméra. Je pose une caméra dans le centre-ville. Et là, dans un centre-ville, ça ressemble à ça en vrai. Ah, c'est pas mal beau, hein. Ah, c'est pas mal beau quand même. Il y a un petit délire hein, quand même. Hein. Putain, ça a bien changé en un an. Hein. Une ambassade finlandaise. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu ça. Ouais, bah, c'est un studio finlandais. Hein. Écoutez, bon, bref, donc ça, c'est le centre-ville. Attends, je vais changer l'orbite, voilà, laisse-moi. Donc ça, c'est le centre-ville. Et c'est beau, dis donc, hein. Ça a une petite gueule, hein. Excusez-moi. On a ici le petit cimetière à côté de la cathédrale, parce que bien sûr, ce qui fait en plus beaucoup de végétation en centre-ville, donc c'est plutôt cool, sur des routes piétonnes, ce qui évite pour l'instant d'avoir des bouchons. Nous avons ici le château de la ville. Je vous rappelle qu'il a été construit en 252, c'était ça la date, je sais plus, après Jésus-Christ, construit par les Romains pour combattre l'envahisseur mongol. Ouais, je sais pas. Je vous invente toujours un lore, hein, donc après vous prenez pas. Donc ça c'est ce petit château en hauteur avec ce petit pont-levis, voilà, magnifique. Il y a beaucoup de végétation, un peu des parcs autour, pas mal d'arbres, c'est joli en vrai. Ici on a voulu mettre un lac, c'était un enfer. Mais putain, mais il y a encore des SDF partout là. Non mais pardon, mais pourquoi les Mongols en 252, j'ai vrillé. Quoi, c'est plus tard les Mongols, c'est plus tôt? Ah, je sais plus moi. Les envahisseurs trisomiques, c'est pas très sympa. Mais non! Mais non, c'est des Mongols le peuple. Là, on a plein de petites maisons un peu mignonnes qui datent pour le coup, elles, du 18e siècle. À l'époque où ils se sont fait envahir par les... Ouais, non, je sais pas où je vais là. Bref. Donc c'est assez joli, c'est mignon. C'est une petite bourgade. On a un peu de différents petits styles de bâtiments. Ici, on a quelques bureaux, quelques commerces quand même. Et puis, on a une zone un peu plus banlieue, un peu plus maison. Un peu plus, voilà, ouais, baraque, quand même avec quelques petits logis, quelques baraques, quelques voitures, quelques machins. On a quelques zones de bureaux, une petite zone commerciale qu'on a construite hier matin, ici sur cette petite montée, c'est assez joli aussi. Salut Zenox, ça va bien et toi? Et puis, nous avons tout le long de cette descente des petites maisons aussi, ouais, des villas, il y a des maisons, il y a un peu de tout, voilà. Ça commence à se construire, ça commence à bien se développer quand même cette petite bourgade. Hein. Si on descend, là, pareil, toujours un peu des maisons le long des grandes allées. Et puis on arrive ici sur un quartier un peu plus cité, on peut le dire ou pas? Oui, il y a quelques zones de bouchons, oui, tu vas faire quoi? Quelques petites zones de cité. Et puis là, la zone de la gare, on est obligé de la mettre en bas parce qu'en haut, c'était pas possible pour des raisons de dénivelé. Avec une petite zone commerciale également, des zones de bus. Des zones de train, etc. Le train qui arrive dans la gare de 7h, c'est beau, bien sûr. Et puis voilà, petite gare ici avec sa zone de gare de triage. Je vous rappelle, on a mis des propres de train. Voilà. Parce que ça, c'est les trains qui sont en entretien. Voilà, qui sont prêts à être réparés. Donc ça donne une zone assez jolie. Et puis, donc ça, c'est la ville vue du haut. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis nous avons ici, je sais plus où, là, on a mis une grande zone de champs. Parce qu'il fallait bien avoir de l'agriculture, parce qu'il faut nourrir les gens, c'est quand même très important. Et ici, la zone industrialo-nucléaire, parce que c'est moi qui l'ai appelé comme ça. Je l'ai inventé, en fait, le industrialo-nucléaire, c'est moi, c'est nouveau.
qui permet de produire et de l'électricité et de quoi faire des produits manufacturés. Nous avons ensuite un autre petite bourgade, très petite bourgade avec pareil beaucoup des champs, beaucoup d'agriculture, et puis quand même quelques petites maisonnettes, quelques petits parcs et quelques petits corps de ferme un peu répartis au milieu de ces champs, assez sympatoche. Voilà. On a donc, c'est quand même une zone très montagneuse, pour ceux qui, on se rend pas compte comme ça, mais c'est quand même assez montagneux. Il y a un petit barrage ici pour retenir la flotte. Alors le barrage qui va vachement haut, parce qu'avant il n'y avait pas d'eau là d'ailleurs, parce qu'il y a des arbres qui sont sous l'eau. Comment ça se fait qu'il y a des arbres sous l'eau? Il n'y avait pas d'arbres sous l'eau avant. Quoi cette histoire là? Pourquoi il y a des arbres sous l'eau? Alors attendez, on va enlever les arbres sous l'eau. J'arrive pas à enlever les arbres sous l'eau. Je vais vous enlever en fait. Voilà. Alors attends. C'est moi où j'ai l'impression que... Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la définition du jeu change à chaque fois que je démarre le jeu. Elle n'est pas la même. Je vais pas expliquer pourquoi, je trouve que le jeu est plus beau qu'hier. Bon. C'est un concept. Hier, on a fait un magnifique échangeur dégueulasse. Dans une zone vraiment compliquée, parce qu'on a et des tunnels, et des dénivelés. Enfin bref, c'était un enfer à créer, mais pour autant, ça fonctionne. Regardez-moi, c'est un beau bordel, mais ça marche, hein. Tout le monde est desservi partout. C'est un énorme bordel, mais ça fonctionne, voilà. C'est un peu, oui, bon, bah, c'est un concept comme échangeur, mais bon, écoutez. Et le principal, c'est que ça marche, hein. Donc aujourd'hui, il faut qu'on continue de développer la ville, qu'on fasse baisser le chômage parce qu'il est à 19% et c'est un petit peu trop à mon goût. Qu'on rajoute des axes de circulation parce que il y a quand même, des petits problèmes de circulation dans la ville. Qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi vous n'avez pas d'eau, vous? Pourquoi vous n'avez pas d'eau là? Nouveau ça? Ah oui, vous êtes plus connecté, effectivement. C'est l'échangisme à ce niveau-là. Ohé, ohé. Ok. Il n'y a pas électricité non plus? Ah si, c'est juste l'eau qui vous voit pas? Ok, c'est juste l'eau. Ouais, le chômage est un peu élevé. Il y a de la demande en tout. On a de la demande vraiment en tout là pour le coup. Donc on va pouvoir bien construire. Oui, il y a le mode pour modifier les routes, bien sûr. Qui a été mis à jour. Alors qu'est-ce qu'il rajoute le mode? J'ai vu qu'il. Alors on va checker ça parce que le mode Road Builder a été mis à jour. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Ah, déjà, il est en français. C'est bien. Ah, tu peux utiliser une route comme modèle? Je sais pas si ça y était déjà. Attendez, on va utiliser sur une route que j'ai pas créée parce que sinon ça va foutre le bordel. J'ai vu qu'on pourrait ajouter des poteaux. Ah, je sais pas quoi ça sert. Ça fait quoi les poteaux? Ah, c'est pour mettre des. Attends. Ah, mais c'est pour mettre des lumières? Attends, ça sert à quoi? J'ai pas compris l'intérêt du poteau. Attends. On va le mettre de l'autre côté, hein? Ah non, les poteaux, t'es obligé de. Mais ça sert à quoi les poteaux là? Donc on peut mettre des poteaux, je sais pas pourquoi, mais on peut mettre des poteaux. Mais à quoi ça sert? J'essaye de comprendre l'intérêt du poteau. C'est des lampadaires. Mais non, c'est pas des lampadaires ça. Là, il y a des lampadaires, oui. Mais ça, c'est quoi? Marqué poteau. Mais c'est pas des poteaux. C'est quoi alors? On comprend pas l'intérêt de ce truc. On dirait vraiment des gros machins. C'est de la déco? Bah, c'est... Ouais, non, je sais pas trop ce que c'est. Mais c'est marrant parce que ça. En plus, c'est sur la route. Donc c'est con. Ouais, je comprends pas trop le concept de ça. Bon. Mal traduit, ouais, je pense que c'est mal traduit. Pour le coup, ouais. Alors, on a une voie vide. Je sais pas quoi ça sert non plus. Ah oui, c'est juste pour mettre de l'espace. Ah, ça c'est pas mal, ça. Ah, pratique. Ça, c'est bien. Et on a maintenant mon barrière sonore. Ça y était déjà, ça. Donc ça change pas. Et on a des accotements. Alors, quoi ça sert, ça? Il est où, mon accotement, là? Attends. Accotement. Attends, si j'enlève le... Oh, attends, c'est quoi, ce bordel, là? Ah, je peux mettre un mur de l'autre côté de la route? Ah, c'est pas mal, ça. Attends, pousse-toi la barrière sonore, là. Voilà, et c'est... il est où l'accotement, là? Accotement. Et putain, mais je veux le mettre là. Ah, voilà. Ça sert à quoi? Ah, pas mal, ça. Je sais pas trop à quoi ça va nous servir, mais y a de l'idée dans ce truc. C'est les poteaux utilisés pour les trams, notamment. Ah bon? Ils sont aussi gros que ça? Tu vois, on peut mettre un accotement de l'autre côté, là? Ah ouais. J'ai pas bien compris le principe de l'accotement, mais non, il n'y a pas de piste cyclable, il n'y a pas de vélo dans le jeu. Oui, si, ça... alors les poteaux, bon, j'ai pas bien compris l'intérêt du poteau quand même. Ouais, si j'enlève les poteaux, parce que ça sert vraiment à rien. Ouais, parking des accotements. Parking, non, je pense que c'est plus pour faire, genre sur une autoroute, si tu veux faire une demande d'arrêt d'urgence, je pense. Parce que si t'enlèves le trottoir... Ouais, je sais pas trop. Je sais pas. Ouais, non, j'avoue, je sais pas trop. Et les voies vides non plus, je sais pas trop. Ah, séparateur, c'est quoi? Ah, ça, c'était déjà ça. Ouais, je sais pas trop. Bon, ça, c'était déjà. Bon, bah, ouais, concept. Bon, bref, supprimer la route, c'est pour tester. Bon, bref, donc le mode a été mis à jour. Je pense qu'il doit fonctionner également un petit peu mieux. On verra ça. Salut Julien. Salut Valco. Salut Bevesh, bienvenue à toi. C'est les places de parking à côté. Ah, c'est les places de parking du coin?
Ah ouais, bah peut-être. Bah ouais, peut-être, possible. Hein. C'est possible. Bon, alors on va traiter le sur la route, les campagnes, montagnes, les accotements pour ajouter de la bande roulable pour ceux qui errent. Ceux qui errent moins les courbes. Qui gèrent moins les courbes. Ah oui. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Ok, ok, ok. Ouais, ok. Je vois le concept. Bon. Il faut qu'on construise ici. Parce que déjà, c'est le bordel. En termes de bus, on avait mis une deuxième ligne qui... Ah oui, mais elle servait juste dans la zone industrielle, la deuxième ligne, donc on s'en fout. Il faudrait qu'on rajoute du transport en commun dans cette partie-là de la ville. On l'avait pas fait hier, on avait commencé de le faire, il me semble. Salut, Jay Soldier. Il faudrait qu'on rajoute du transport en commun, parce que c'est quand même bien le bordel. J'aimerais bien un bus qui passe maintenant par la droite de la ville, parce qu'on en a déjà un qui passe vers la gauche. J'aimerais bien un bus qui passe par la droite, qui remonte ici et qui desserve, alors au moins... le centre-ville ici. Attends, je réfléchis au tracé. Et qui nous permettent d'aller peut-être peut-être plus là-dedans, là. Ouais, peut-être un peu plus là-dedans, ça pourrait être bien. Salut, Logeza. Ouais, ça pourrait être bien. Attends, je réfléchis, on pourrait le faire passer. Si on le fait monter, on pourrait même le faire monter là. Faire passer là, le refaire passer là. Ouais, quoi que le faire passer là. Et après, le faire passer là-dedans, là. Faire passer là-dedans et jusqu'à dans la zone... jusque dans la zone commerciale ici, je pense. Ça pourrait être pas mal. Alors, vas-y, on va transformer en voie de bus, là. Transformons en voie de bus. Par là quoi? Par l'est, tu veux dire non? Jean-Michel, prof de géo. Oui, par l'est, oui. Oui, non, mais par l'est, l'ouest. De toute façon, c'est les conventions, ça. Après, on fait ce qu'on veut des mots. Hein. Les mots sont des mots. Hein. Voilà, on rajoute grande ligne de bus. Là, on fait passer là. Ah, mais ça va tout nous détruire, là, non? Est-ce que ça va pas tout nous détruire, là? Non. Parce que je ferais bien passer le bus en vrai. Ah, mais peut-être pas trop lui faire faire des virages. Attends. Et si on le fait remonter là, le bus? On le fait remonter là et on le fait passer là, ce sera peut-être mieux. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Alors, attends, les voies de bus. Ah, alors, du coup, on va avoir des problèmes de... Ok. Pas grave. Donc, voie de bus, ça monte là. Gna gna gna. Là, ça passe là. Ça passe là. Alors, attends, on va mettre des arrêts de bus. On va mettre des arrêts de bus. Alors, attends. Il va partir d'où, le bus? Il va partir de là, de la gare routière. On va rajouter des arrêts... Ouais, on va tout juste mettre un arrêt par là, genre. Sinon, ça va faire des bugs. Quoi, je peux pas en mettre là? Ah oui, c'est des petits, c'est des poteaux qu'on va mettre là. Là, petit arrêt de bus. Là, pareil, poteau, poteau. Qu'est-ce qu'il y a? Un pass. Hein? Comment ça, un pass? Ta gueule. Et ensuite, ça passe là, là. Mm-hmm. Là, là, là. Et quoi, je suis au chemin des éléments? Il m'emmerde, hein. Et après, on fait descendre par là. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, ça connecte aux deux lignes de bus, en plus. Gna, gna, gna. On repasse là, après. Et après, il faudrait qu'on arrive à remonter par là-bas. Genre là. Là. Et puis, on passe là, gna, gna, gna. Et là, on peut mettre un arrêt aussi ici. Et on va jusque... on fait une boucle comme ça, là. Qui repart dans l'autre sens. Voilà. On peut faire une bonne ligne de bus, déjà. Et après, plus tard, quand on sera plus gros, quand je dis plus gros, c'est pas physiquement, je veux dire plus gros en nombre d'habitants, on mettra une ligne de... On mettra du tram. Voilà, mais pour l'instant, c'est trop tôt. Donc, on passe là. On se passe ici, arrêt ici, arrêt ici, arrêt ici, arrêt... Quoi? Mais pourquoi ça marche pas? Ah mais c'est à sens unique ici, je suis un connard. Ah merde, j'ai des routes à sens unique. Mais qui est le con qui a mis les routes à sens unique? Mais c'est moi en fait. Ah putain, la douille. Ah oui, c'est vrai. Ah mince, coup dur. Ah oui, c'est à sens unique. Ah chiant. Ah ouais, ah, j'avais pas pensé à ça. Alors attendez, est-ce qu'on peut pas faire un truc? Attendez, on va se créer une route. Attendez, vous allez voir, on va faire un truc vachement bien. On va faire ça. On va faire ça et on va mettre. Ah non, putain, c'est pas ça que je voulais faire en fait. Du coup, ça m'a créé une route, Paul. Non, c'est une route normale, ça. Une route normale. On va faire un truc, vous allez voir. Une route à sens unique, je vois pas le problème sur une map française. Oui, mais attends, c'est là où ça va être bâtard. C'est qu'on va mettre une route à sens unique sur lequel on va mettre une voie de bus dans l'autre sens. T'as à comprendre. On va enlever celle-là. Attends, on va enlever ça. Enfin, ça dégage. Et dans l'autre sens, on va mettre une voie de bus. Non, dans l'autre sens. Voilà. Tac. Donc ce qui fait que tu pourras avoir des voitures dans un sens et le bus qui arrive en face mais qui est pas une voie de... Qui est pas une voie de... Qui est une voie que de bus quoi.
Vous avez compris ou pas? Donc là, ça va être sens unique. Ah, je sais pas comment l'appeler. Pour bus. Voilà. Vous allez voir, ça va être vachement bien. Alors attends, ça, ça dégage. Et du coup, là, maintenant, on a ça. Et donc, ça veut dire que là, je peux mettre. Ah, voilà. Parfait, ça, putain. C'est trop bien ce mode. C'est vraiment le meilleur mode qui existe. Et là, du coup, pareil. Ben non. Ah, bah si. Voilà, là, c'est bon. Oh là là, mais quelle masterclass. C'est horriblement incroyable comme mode. Oh, j'adore. Et là, c'est à sens unique aussi. Pareil, on fait la même chose. Et là, c'est un double sens, donc c'est bon. Oh là là, c'est horrible. C'est républicainement très très fort, ça. Mais c'est très français, ça. Hein. Parce que même, j'ai envie de te dire, si on était totalement en France et qu'il y avait des pistes cyclables, qu'est-ce que je ferais? Je mettrais une route à sens unique à une voie, avec, en disant, tiens, je vais mettre une piste cyclable qui arrive dans l'autre sens, histoire de ne pas faire trop dangereux. Non, mais c'est incroyable, j'adore ce truc. Mauvais sens, le premier tronçon. Bah non, c'est bon. Le bus est bon, là. Non, c'est good. Regarde, là, c'est bon. Ouais, voiture, elle va bien par là. Hein. C'est cool, c'est good, c'est good, c'est good, c'est good. Hein. Good, cool, 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 cool. Ah ouais, alors, par contre, ils sont pas censés pouvoir tourner, là. Ah, mais les bus, faut bien qu'ils passent dans un... Ah, mais toi, ils prennent la voie, les bus, c'est con. Non, mais casse-toi. Voilà, bon, alors, seul problème, c'est que, du coup, les gens prennent la voie, les bus. Mais non, mais putain, mais vous faire foutre. Oh, chier. Après, c'était pas en sens unique, hein. Donc, normalement, je vais pouvoir refaire ma ligne de bus, là. Attends, j'ai con, ça. Là, je suis désolé, mais ça, on peut pas faire plus français, hein. Des taxis? Ah, c'était un taxi? Ah, j'avais pas vu, autant pour moi. Ok, si c'est un taxi, je gueule pas. Excusez-moi, je gueule que si c'est des taxis, moi. Donc là, ah, voilà, là, ça marche. Oh là là, mais c'est trop bien, la voie de bus en sonic pas sur toute la longueur de la rue. En plus, bah, c'est vraiment la France, hein. C'est ma France, hein. Ça, j'adore. C'est vraiment ça. Oui, oui. C'est magnifique. Quel plaisir. Ah, j'ai oublié de mettre les arrêts dans l'autre sens. Pas grave. Tac. Ah, bah, ça, si c'est pas ma France, ça. Des arrêts de bus que dans un sens. Bah, ça, c'est beau, ça. J'ai oublié de mettre des arrêts de bus par contre, mais c'est pas grave. Alors attends. Tac. Le bus il est pas sur la voie rose. La voie rouge, ouais. Rose, oui, rose rouge quoi. Après, comme tu veux, mais. Et là, du coup, voilà. Là, du coup, ça fait un. Ouais, nickel. Ah, il y a quand même des voitures qui. Bah, c'est quoi là? La luminosité vient d'augmenter. Par contre, j'ai peur qu'ils soient un peu coincés dans les bouchons ici, les bus. On va peut-être transformer en route à bus. Et on peut mettre un arrêt ici et on clôture la ligne comme ça. Nickel! Oh là là, quel plaisir! Alors attendez, on va la mettre rouge parce que c'est une ligne intérieure. Et on va mettre des bus électriques. High capacité electrical bus, voilà, nickel. Et normalement, donc, ils passent. Alors, par contre, sur cette rue-là, ils risquent d'être un peu coincés, mes bus là. Ouais. Les bouchons sont normaux. Les bouchons sont normaux, ouais. Mais, ah, ça, c'est des. Ah, effectivement, t'as raison, c'est des taxis. Ah non, c'est les fourgonnettes de la poste, putain! Ils bossent donc. Non, c'est les fourgonnettes de la poste en fait qui prennent les routes. Ah ouais, mais non, ça va pas, ça. Là, ça va pas, ça. Parce que tu vois, les voitures, elles prennent la voie des bus. Là. Ça, c'est pas des véhicules de la poste, hein. Surtout aucun arrêt sur la voie réserve aux bus, c'est banger. Vraiment, je kiffe mon cabinet d'Uranis. Ah bah là, c'est... Salut, ingénieur Urbanis, comment peut-on faire pour trouver une photo d'un bel échangeur? Soit Discord, soit Instagram. Voilà, tu choises. Donc tu peux. Salut Yanis, ça va bien et toi? Allez, je crois, il y en a pas de soucis. Ah, ils prennent bien la voie des bus, là, par contre, ça, c'est relou. Alors, tu sais quoi? On va les empêcher de tourner à droite, là. Voilà. Niquez-vous. Nah. Et là, pareil. On va les empêcher de tourner à droite. Ils peuvent aller qu'à gauche. Ah, j'adore. Je suis le diable. Voilà, ils sont obligés de faire demi-tour. Nah. Oh, quel plaisir. Je transformerais bien cette route en route piétonne à bus. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Non, vous en pensez quoi? Ah, ce serait pas mal, quand même. Hein. Là, t'as une route piétonne. Juste pour les bus. Ah, ce serait cool. En vrai, qu'est-ce qu'ils en pensent? Pourquoi pas? Une route piétonne à bus. Je suis sûr qu'on peut faire ça. Attends. Faut qu'elle soit fine, par contre, parce qu'elle fait quelle largeur, celle-là? Elle fait... Pourquoi les piétons se font écraser? Non, mais c'est rien, ça. Attends, regarde, tu vas voir. Attends. Allez, je vous crée un banger, là. Ça fait quoi en largeur, ça? Ça fait 8 mètres unité. Alors, attends. On enlève ça. Je sais pas si ça va marcher. En fait, j'enlève. Ah, mais du coup, j'ai plus de route là. Je rajoute juste des voies de bus. Oh là. Oui, bah, c'est une route de bus quoi. En fait, j'ai rien inventé. Et on a quand même des trottoirs là. Ah non, c'est des accotements, c'est même pas des trottoirs. Bah, comment ils font les gens pour marcher? Ils peuvent pas marcher les gens sur ces routes là? Attends, c'est chelou quand même. Ils peuvent pas marcher sur ces routes. Attends, y a pas de trottoir là-dessus là. Attends. Ah, mais si, y a des trottoirs. Ah, l'accotement, c'est considéré comme un trottoir. Ah. Et bah, ça me va, c'est quoi? Ah mais attends, je l'ai mis en sens unique par contre. Ça va pas, alors attends.
Faut qu'il y en ait une qui est dans l'autre sens. Voilà. On est bon là ? Droite, voilà, nickel. Donc là, ça veut dire que ça là. Attends, banger. Bam. Donc là, les voitures, elles. Oh putain, merde. Les voitures. Non, mais. Ok. Les voitures, normalement, ne peuvent plus passer là. Techniquement, hein. Attention, techniquement, elles ne peuvent plus passer. Après, on sait jamais. Donc là, normalement, il n'y a plus de voitures qui vont passer là. Putain, il y a encore les voitures qui passent. Je les hais. Qu'est-ce qu'ils font là, tous sur la voie des bus là? Ah oui, alors c'est ça qu'il faut qu'on enlève toutes les. Ça, c'est ça qui est chiant par contre. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonsoir. Comment il s'appelle ce mode DVS? Tu l'as déjà dit. Salut, Illin Woods. C'est World Builders qui est sorti il y a deux semaines maintenant. Donc là, faut qu'on enlève toutes les merdes. Outils de connexion de voix. Tu peux cliquer là? Oui, bah je veux bien, oui. Moi, je peux pas. Je peux rien faire là? Attends, what the fuck? Bah, je peux plus cliquer sur les. Je peux pas cliquer sur l'intersection? Ah non, salut AlphaSeed, comment va? What the fuck, il marche plus le mode? Attends. Bah si, là je peux cliquer là. Pourquoi là je peux pas cliquer? Ah non, ça. Il est plus compatible avec l'autre mode? Ah, je peux plus cliquer là? Ouais, parce que les bus ils vont faire n'importe quoi là, non? Plus cliquer? Plus cliquer? Ah si, là je peux. Ouais, je peux cliquer. Mais là je peux plus cliquer sur le. Bon, on va voir. C'est Traffic Manager, ça c'est Traffic Manager, ouais. Enfin, c'est une version bêta de Traffic Manager, on va l'appeler. Voilà, du coup, mes bus sont coincés là. À cause de ces connards de camping-car. Ah, et après, il y a peut-être des gens qui habitent dans la rue aussi. Bah oui, il faut bien qu'ils puissent rentrer. Ouais, du coup, le problème, c'est que tes bus sont coincés là. Et ouais, c'est ça, ça va être chiant ça. Comment on peut faire là? Comment on peut faire? Est-ce qu'ils ont des idées là? Parce que là, les bus sont coincés là. Et du coup, ça va faire les bouchons de bus. Tu joues à Valorant? Non, j'ai jamais joué à Valorant. Déjà, il faudra un plus grand rond-point. On peut pas donner de priorité. Voie directe pour bus. Ouais, on peut pas non plus. Ouais. Ou alors, il faudrait faire passer les bus au milieu du rond-point. Je peux pas non plus, malheureusement. Non, en fait, il faudrait un plus gros rond-point, mais c'est-à-dire qu'il faudrait une plus grosse route là. Horrible, les bus rouges, on dirait des pompiers. C'est vrai que c'est moche, hein. C'est vrai que c'est un peu dégueulasse. J'en ai pas assez piéton, mais mes habitants ont cru traverser l'endroit où c'était. Tu as ce genre de problème, ça me fait des bouchons. Les gens continuent. Ah ouais? Ah non, j'ai jamais eu ça. Pour coup, une fois que t'enlèves les passages piétons, généralement ils traversent plus. C'est bizarre. Ah ouais, parce que là, ça fait 4 heures qu'ils sont coincés dans la circule là. Bah ouais, tout juste mettre un feu. Hein. On va enlever le rond-point. Ouais, bah quoi, j'en suis le premier malheureux. Hein. Mais on n'a pas le choix là. Oh là, ça fout le bordel. On n'a pas le choix. Hein. Échangeur à étage. On va pas faire un échangeur. Une grande rampe qui passe par-dessus le rond-point. Oh si, j'ai une idée. Attendez. Attendez, j'ai une idée. J'ai une idée d'enfer. Attends. Ouais, mais ça va vraiment l'enfer. Mais j'ai une idée d'enfer quand même. Attends, ils sont où mes arrêts de train, de tram là? De bus, ils sont là. On va les décaler un chouïa plus bas. Tac, tac. Exprime ton idée, vous allez voir. Je peux pas l'exprimer. Il faut que je vous la montre. Attends. Il faut que je vous la montre. Je parle de mon idée. Attends. Là, est-ce qu'on a besoin de ça? On va modifier. Attends, tac. On va enlever un accotement. On bat les couilles, voilà, mais Meudeur a pas besoin d'accotement parce qu'il y a pas de gens qui sont censés marcher sur cette route. Voilà, c'est juste une route de bus. très fine, voilà, nickel. Et là, on va faire un truc. Ta gueule, tu me déconcentres quand tu parles. Oh, pardon, en fait. Est-ce qu'il y a pas un petit dé de mise à jour des voies de circulation, genre la PNJ qui a déjà un itinéraire, le FAS, mais que nouveau n'y passeront pas? Si, c'est possible, ça. Ça, c'est possible. Ouais. Parce qu'en fait, finalement, il n'y a qu'une voie, là. Alors, attends. Attendez, vous allez voir l'idée, hein. Un pont pour bus, ouais, c'est l'idée. Voilà, je supprime ça. Vous allez voir. Non, mais vous allez voir, c'est plus smart que ce que ça a l'air. Là, on dirait que c'est une idée débile d'un fou. Alors, comme ça, je peux comprendre, hein. Voilà. Après, je suis un débile fou, donc... Quand tu parlais à qui? À la radio? Voilà, à la radio, ça vous choque? Je veux dire, c'est normal, non? On parle tous à la radio. Quoi? Quoi, pente trop raide? Ah oui, 24% c'est trop raide pour vous? Oh, vous êtes vraiment des petits bras. Hein. Ah oui, c'est qu'on a monté plus monté. Bah, souterrain alors. Ouais, mais on va jamais pouvoir passer dessous là. Quoi, ton shampoing? C'est Yves Rocher. Rigolez pas, c'est vrai. Pourquoi d'ailleurs? Quoi, cette question? Est-ce que tu crois que les bus ils passent sur une pente à 18%? Bon, en vrai, ouais, non. 33%? Putain, mais non. Mais comment on va faire, là?
faudrait qu'on prenne plus bas. Parce qu'en fait, c'était ça mon idée, de ressortir de l'autre côté là. Non, mais là, je vais jamais pouvoir ressortir là. Il est où le prochain arrêt après? Ah, mais il est vachement loin en plus. C'est-à-dire qu'on pourrait. Attends. Ça s'appelle un métro. Mais non, c'est pas un métro! C'est un bus souterrain. Je sais pas pourquoi vous êtes choqués. Pas la première fois que je fais des dingueries comme ça. Là, ça passe. Bon, je suis obligé de détruire des maisons. Ben voilà! Le bus évite le carrefour. Bon, bah, c'est ce qu'on voulait. Mais quoi, pendre trop raid? C'est toi qui es raid. Là, ça va passer, regarde. Hop, voilà. Voilà, nickel! Oh là, ça fait des gros bugs de texture, hein. J'ai peut-être fait un peu de la merde. Attends. Bon, c'était pas hyper, hyper bon comme idée. J'avoue, j'aurais pu trouver mieux. En fait, c'est que l'espace est très petit. Donc, c'est forcément. Alors, attends, je vois pas où je vais là. Non, mais vous allez voir, c'est pas mal. Ça va éviter les bus. Ça va éviter aux bus d'être coincés dans la circulation. Je vous jure, c'est une bonne idée. On dirait pas comme ça, mais ouais, les textures un peu en sueur, ouais. Genre, on fait vide de toutes les couleurs là. Ouais. Mais t'inquiète. Voilà! Regarde ça. Et là! C'est pas mal. Alors là, il faudrait. Ouais, alors là, c'est. Ah, mais oui, là, c'est pas mal. J'aurais dû mettre ça en pont en fait. Attends. Bouge pas. Oh merde, c'est le carrefour, j'aurais dû mettre en hauteur en fait. Non mais c'est tout à fait légal ce que je fais. Voilà. Bon là, il y a des maisons qui vont disparaître, mais ça c'est pas grave. Et donc, on se retrouve, c'est une masterclass. Ouais, alors je sais pas si c'est une masterclass. Et là, on peut même remettre un rond-point. Parce que j'en ai rien à foutre. Regarde ça. Bam. Et voilà mon pote. Ça c'est beau. Donc du coup, les bus maintenant, si tout se passe bien, ils prennent. Bim. Voilà. Et comme ça, ils gênent plus la circulation. Ils vont rester bloqués car tu ne fais que retarder les bouchons. Bah non, tu vas voir. Oula. Oui, bon, alors les bus risquent de bugger un petit peu, c'est normal. Mais je pense que c'est une bonne idée. Voilà, magnifique. Oui, ouais, alors c'est pas ça qu'ils sont censés faire. Hein. Et pourquoi il fait demi-tour? C'est un carrefour, c'est spécial, un carrefour jamais vu, bien sûr. Qu'est-ce qui branle? Mais qu'est-ce qui vous foutait? Mais non, mais. Mais bon, ça c'est bon. Mais pourquoi ils font demi-tour là? Ah, c'est bon, il y en a qu'un qui a fait demi-tour. Oui, alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a, toi? Oui, bah, t'es détruit. Bah, c'est comme ça, détruis ta maison, en fait. J'étais obligé de détruire, j'ai détruit des... Mais ça m'a mis un feu, là? Il s'est arrêté, lui. Bon, petit démarrage en côte pour les bus, ça, c'est normal. Ah, ça a mis un feu? Ça sert à quoi? Pourquoi il y a un feu, là? Attends. Voilà. Tu peux mettre tous les U-turn, là, voilà. Ok, et pourquoi il m'a mis un feu, là? Non, mais bon, pas un feu, là, pas besoin de feu, hein. Non, les gens, ils sont smart, hein. Voilà. Et donc là, ils font quoi, les gens? Ouais, là, c'est bon, là. Nickel. Alors, par contre, vous arrêtez de vous garer n'importe où. Voilà. Et comment je vous ai résolu un problème, moi? Regardez ça. Bon, il y a toujours les bouchons, mais... On peut pas tout faire non plus. C'est spécial, un carrefour jamais vu. Mais non, mais c'est trop bien. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Bon, c'est pas très beau esthétiquement. Mais bon, j'aurais préféré vous faire passer le bus au milieu, mais ça aurait été chiant. Surtout qu'on avait un espace restreint. Mais on peut faire des dingueries, hein. Je pense que le croisement simple feu rouge était plus esthétique. Ouais, mais on a envie de tenter des trucs quand même, tu vois. Qu'est-ce qu'elles font, les voitures, là? Non, mais ça, par contre, c'est chiant. Déplacer un problème, plutôt non. Mais pas du tout, y a plus... Regarde, mes bus sont plus coincés dans la circulation. Bon, ils sont tous au même endroit, par contre. Ah oui, ils viennent de se lancer. Attends, mais on a lancé combien, les bus, aussi, là? Mais on a lancé 15. Évidemment que ça fait les bouchons, qu'est-ce qu'il est con. C'est une tentative et au final ça fonctionne. Bah bien sûr. Mais je savais que ça allait fonctionner. Je vous sais, mais c'est pas de faire un procès. Mais je vous attends, les gars. Ah oui, en plus il y a les piétons qui passent là. Oh putain. Ah, il est vraiment pas aidé quand même. Hein. Ouais, mais ça a l'air de fonctionner, hein. Bon, il y a toujours un maxi bouchon quand même, par contre. Bon, les bouchons. Ah ouais, parce que du coup les gens avant ils passaient là. Maintenant ils sont obligés de faire tout le tour. C'est insupportable ces bouchons en fait. On peut vivre ou merde? Pourquoi y a autant de bouchons là? Ils font quoi là, les gens là? On peut savoir d'où ils viennent? En fait, vous allez faire quoi là? Vous allez vous balader? Ah, et du coup, ça a effectivement. Ça a effectivement déplacé le bouchon parce que du coup, les voitures sur le bus se retrouvent coincés là maintenant. Merde. C'est con. Bah oui. Bon, bah écoutez, au moins on a mis une ligne de bus. Voilà. J'ai fait mon travail, je vous emmerde. Le chômage? Tiens, 17%. Bon, alors oui, du coup, je voulais faire des bureaux ici. Je pense que ça pourrait être bien de continuer un peu les quartiers de bureaux. Juste un rêve, le rond-point fait juste la route droite. C'est bien. Est-ce que là, on peut mettre quelques bureaux avec des habitations au-dessus? Voilà, ça peut être pas mal. Et juste des bureaux, sinon. Petit quartier bureau, là. Voilà, ouais. Et peut-être un quartier bureau, petit commerce.
Ouais, non, si, on va continuer sur des bureaux ici, là, je pense, ça va être pas mal. Voilà. Là, on a déjà pas mal de tours. J'aimerais bien qu'on mette des... Alors, ici, on pourrait mettre des petits commerces avec maison en plus. Dans ce quartier-là, là. Faire un petit quartier commerce, un peu vieille ville, là. Ouais, ouais, je pense que ça pourrait être pas mal. Faire un pont qui passe au-dessus du rond-point. Non, mais si on commence à faire un pont qui passe au-dessus du rond-point, on va pas s'en sortir, hein. Non, mais les bus, ça va aller, hein. Vous inquiétez pas. Bon, alors, on fait un feu. Putain, mais c'est chiant, là. Ah, mais attends, tu sais ce qu'on peut faire, maintenant? Oui, là, oui, oui, mais calme-toi. On peut faire ça, maintenant, regardez. Eh oui. Maintenant, on peut faire ça. Voilà. Ça change rien, mais... on peut faire ça. Voilà. Et qu'est-ce que t'attends, toi? Oh là, les bugs de texture que je vous ai fait, là. Enlève votre bus au milieu. Ah oui, pourquoi il... Oui, pourquoi il fait ça, là? Ouais, j'ai fait des petits bugs de texture. C'est rien, hein. Pas vous inquiéter, c'est tout est maîtrisé. Alors, toi, tu vas pas à gauche. Non, là, pas aller à gauche, là. Non, 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 je voulais pas mettre un stop. Voilà, va tout droit, voilà, nickel. Sir, je suis en train de jouer sur ta map, j'aimerais savoir si t'es collé en mettant un climat où il neige les trois quarts de l'année. Oui, bon, bah écoute. Change la température, qu'est-ce que j'y peux, moi. Je peux pas aussi simplement supprimer cette route au final, puisque c'est juste une voie de bus après. Bien vu. Ça, c'est smart. Effectivement. Eh oui, si j'avais fait ça avant, ce serait vachement moins fait chier. Pourquoi j'ai pas eu l'idée? Putain, pas mal ça, bien vu. Eh oui, pas con. Ah mais du coup, les gens qui habitent là, ils font comment? Ils sont obligés de passer en haut? Eh ben, ils se démerdent. Et quoi? Putain, c'est bien vu ça, pourquoi? Eh oui, oublions pas que c'est ça, il faut faire, on s'en fout des gens, il faut les faire chier. Et tu vois, ça marche, mon bus à sens unique, ça fonctionne maintenant. Ah, nickel, ils vont pas être gênés par la circulation. Putain, c'est bien, hein. Il est vraiment top ce mode, hein. Il peut faire des sacrés trucs de bâtard. Et là, pareil, on pourrait peut-être mettre une voie de bus. Ouais, je me dis, ça pourrait être bien. C'est la même taille ou pas? Allez, ça c'est bon. Sauver la ville de Nantes. Oui, c'est vrai que c'est un peu ça, oui. Mais c'est pas faux. Ah, ça a détruit une route. Ah, ça a détruit des habitations. Merde! Restez là, partez pas! Ah, il est tard. Oula. Alors, attends. Et bah, allez, enlève-moi tous les demi-tours là, déjà. Voilà. C'est gentil. Ah oui, alors du coup, ça va nous faire un feu aussi ici. Ouais, c'est pas grave ça. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Et on change comment la température? Faut activer le mode développeur. Ah, je vous ai déjà fait un tuto là-dessus. Hein. Bah voilà, c'est nickel! Ça fait un beau centre-ville avec des bus. Est-ce qu'il est utilisé ce bus? Bon, pour l'instant, il est pas beaucoup utilisé, mais en même temps, il est un peu coincé dans la circulation, donc faut pas lui en vouloir. Ah ouais, la vache, il y a du monde qui attend là, il y a 400 personnes, c'est où ça? Ah bah oui, c'est ça, il y a du monde qui attend en fait, hein. Ah bah oui, ils attendent à l'abri de la pluie en plus. Non, c'est bien, c'est bien. Allez, mais 250 personnes ici, là. Eh, donc c'était vraiment la bonne idée, le bus, hein. Maintenant, faut juste qu'il arrive à circuler proprement, quoi. Et ça, ça a l'air d'être un peu plus compliqué. Non? Ah, les bus rouges, c'est vrai que c'est pas magnifique, hein. On ne peut... Ah, ils vont être encore coincés dans la circulation, ici. Ah, putain! Mais c'est insupportable! Ah ouais, là, ils vont être coincés dans la circulation, là, ça, c'est sûr, hein. Ah bah là, c'est tout vu, hein. Oh là là. Mais pourquoi ils s'arrêtent au milieu des... Ils attendent pas, ils manifestent. Non, mais c'est une galère. Non, mais. Ah ouais, mais là, ils vont être coincés, là. Mets-les en orange. On peut les mettre en orange, mais ça va quand même être. Mais c'est déjà du orange, hein, techniquement. Ah, plus orange comme ça. C'est en réélection. Oui, bon, bah écoutez, j'ai pas dit que j'étais un professionnel de la circulation. Hein. Écoutez, je tente des trucs. On peut pas me l'enlever. Voilà. Après, si vous êtes pas. Si les gens sont pas réceptifs, je pourrais. Ah ouais, là, ils vont clairement être coincés dans la circulation, mes bus, là. Putain, fais chier. Oups. Bon, bah, tant pis, hein. On peut pas tout savoir, hein. Est-ce que le chômage a baissé un petit peu, là? 19%, il a re-augmenté, c'est cool. Nickel. Il faudrait qu'on fasse des petites zones commerciales, quand même. Est-ce qu'on ferait pas une grande zone commerciale à côté de la gare, là? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce que c'est à peu près plat. On a déjà des transports en commun. On a pas mal de transports en commun, même. On a beaucoup de demandes en commerce en plus. Donc on peut faire une jolie zone. On peut faire une jolie zone commerciale. On a plus des gros axes de circulation qui sont pas loin. Je pense que ça peut être pas mal, hein. Un centre commercial en rond, c'est bien. Un centre commercial en rond, c'est bien. Oui, un centre commercial quoi. En rond, oui, on peut me mettre en rond, mais après, est-ce que c'est pas un peu trop faire des ronds? Est-ce que c'est plat? C'est à peu près plat, on va dire. C'est plat. Oui, non, c'est pas du tout plat, en fait. Non, c'est pas du tout plat. Bon, c'est pas plat. Donc, en fait, c'est pas plat. Donc, c'est chiant, c'est pas plat. Ouais, ça va être chiant.
un rond-point commercial? Oh, ah, attends, une idée, je viens d'avoir une idée. Et si on faisait plusieurs ronds-points? Attends. Ouais, c'est chiant parce que les parkings, ils sont pas en rond. En fait, mon idée, ce serait de faire plusieurs ronds-points imbriqués et de mettre des commerces tout autour et à l'intérieur de mettre des parkings. Attendez, on va tester. Ouais, mais le truc, faut que ce soit place, sinon ça va être chiant. Un rond avec des ronds imbriqués. Mais là, c'est que c'est vraiment pas plat, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est l'idéal en termes de positionnement. Alors, attends, on va le mettre à place, pas grave. On va aplanir un petit peu la zone. Après, on va pas faire une très grande zone commerciale pour l'instant, mais bon, il faut bien aplanir un peu. Oh là, putain, oui, ça creuse bien la montagne, quand même. Voilà, bon, on va faire une petite zone commerciale, on va dire. Pas une gigantesque non plus. À Angers, ça existe? Ah ouais, il y a ça, Angers. Putain, mais les Angevins sont des génies, du coup. Enfin, les ingénieurs Angevins, en tout cas. Oula, alors par contre, j'ai peut-être un peu trop creusé la montagne, là. Pardon. Excusez-moi, j'ai un peu trop creusé. Oula, putain, je suis encore pire, là. Pourquoi ils ont pas mis un CTRL Z, putain? Oh là là, mais quel bordel de chiasse! Ah voilà, ça m'a tout niqué mon terraforming, comme à chaque fois. Putain, mais mettez-moi un CTRL Z, vous l'aviez mis dans le 1, pourquoi vous l'avez pas laissé dans le 2, bande de cons? Pardon, excusez-moi, je me suis emporté. Voilà. On a rien vu. Ok, donc rond. Pas en colère, hein. Un rond avec des trois bois. Alors, attends. Attends, vous allez voir. Non, mais je suis coup dur pour ce titre. Mais oui, mais c'est con, pourquoi ils ont fait ça? Un rond, on va faire le plus grand rond qu'on peut, là. On peut faire combien en rond, là? 130 mètres 90, 130 mètres, est-ce que ça va pas être un peu grand, ça? 131 mètres. Retenez 131 mètres. Allez, putain. Angle, ils font de l'angle. 131 mètres, j'ai dit, à 90 degrés. Non. Voilà. Voilà. Ah non, ça passera pas avec le train. Et merde! Ah si, peut-être. Ah non, ça passera pas. Attends, 131, c'est où? Ah si, ça passe. Oh, ça passe... Oui, mais 90 degrés, là, pourquoi? Et je veux pas 94 degrés, je veux 90, mon dieu. Bon, il va pas être rond, mon cercle, mais c'est pas grave. On s'en fout. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'idée. Oui, bon, il est pas rond. Voilà, premier cercle. Il va retourner en rond, bien sûr. Et donc là, tu vois, tu mets des commerces tout autour. Bon, là, j'ai un peu raté mon truc parce que je suis un peu proche du train, mais c'est pas grave. Là, on met commerces tout autour. Au milieu, tu mets... Non, en vrai, je pense que c'est une bonne idée. Non, peut-être pas. Au milieu, on met des parkings. Attends. Mais des petits parkings, hein. Enfin, des moyens parkings. Qu'est-ce qu'on a comme parking, là? Tac. Voilà, en face des boutiques, en fait. Ah, si, c'est une bonne idée, hein. Non, je sais pas. C'est une bonne idée ou pas? On sait pas. C'est n'importe quoi les parkings là, par contre ils se sont mis n'importe comment. Voilà. Ah, faudra juste remettre tes parkings, mais ça peut être une idée. Ah oui, mais comment on fait pour que les Seigneurs Magidon? Merci à toi pour le prêt, merci à toi pour les autres soutiens pour la chaîne. Et après, au milieu de ça. Oh, mais on est en idée. Je dois faire l'aller au milieu. Mais oui, sauf que du coup, j'ai pas tracé de droite au milieu. Alors attends. Bonne idée, mauvais endroit. Pourquoi? C'est horrible, je trouve. Ok. Bah, ça divise des foules apparemment. 262 mètres, c'est bon. Et là, on refait la même chose en partant d'ici. Alors, je sais pas quel... Rien, moi, combien je dois prendre. Ah, mon merde, hein. Mettons, prends 75 mètres. 75 mètres, c'est bien, non? Ah, j'ai 76, c'est pas grave. 76, ouais. Ouais, ouais, ouais. Eh, hey, pas mal. J'ai pris au pif, mais au pif marche pas mal, a priori. Voilà. Voilà. Un beau centre commercial rond, là. Regarde-moi ça, avec une route qui traverse. Je fais des thunes piétons pour qu'ils accèdent au... Ah oui, des quoi? Des thunes piétons, ça veut dire quoi? Il y a forcément des gens pour venir. Mais oui, ça va être bien, regarde. Et au milieu, tu remets des boutiques. Voilà, une grande allée des boutiques. Et là, au milieu, ça va être piéton. Oh, l'enfer. L'enfer. Au milieu, c'est piéton. Et tu peux tourner en rond. Ah oui, attends, même, ce qu'on va faire mieux, on va faire tourner dans l'autre sens, cette route-là. Attends, voilà. Dans le sens inverse de l'autre. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. Et ça tourne dans le sens inverse de la première. Nickel. Et pour connecter, après, il va falloir qu'on connecte là-bas. Non, je sais pas, qu'est-ce qu'ils en disent. C'est de la merde ou pas? Non, moi, je trouvais ça pas mal.
Mais non, t'es sur Siskaïn 2, bien sûr. T'es trop beau. Oh là, oh là, calme-toi. On dirait une fleur. T'as vu des fleurs récemment? Non, je sais pas, qu'est-ce qu'ils en pensent? Bon, mes parkings sont peut-être à bouger un peu, hein. Ouais, moi, le parking droit, je t'en conjure. Attends, je sauvegarde avant, parce que des fois, de bouger les parkings, ça fait bugger le jeu. Non, non, pas ce coup-là. Alors, attends, peut-être j'ai pas pris les bons parkings, hein. C'est pas le bon endroit, je trouve. Mais tu vois, les mettre où? Ah, mais là, c'est pas mal, hein. Ouais, on peut décaler un petit peu tout vers le haut. Tu vas voir, on va décaler, ça va être mieux. Alors, attends, j'essaie d'en mettre les parkings un peu plus droit, là. Voilà. Voilà. Là, c'était pas mal. On va juste se décaler un chouïa. Pour moi, c'est l'idée du siècle. Après voilà. Chacun son idée. Ah, il y en a peut-être un peu trop, là. Non, attends, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on va en supprimer un. Comment on fait pour remove de là? Bon, on va en supprimer un. Voilà. Salut Kitia, comment ça va? Ah bah j'espère que vous aimez bien, oui. Parce que là, c'est chiant à faire. En vrai, ça va. D'autres parkings. Non mais il y a assez de parkings là. Parce qu'après, il y a les parkings dans les bâtiments aussi. Donc en vrai, ça devrait le faire. J'essaye de vous faire un truc pas trop chiasse. Pas trop de la chiasse. Et bien toi? Bah ouais, ça va tranquillement, écoutez. Et ouais. Oh, ça va bien, ouais. Voilà. Là, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'ils en disent? Voilà, et là, bon, par contre, il faut qu'il y ait des boutiques qui s'installent. Et pour l'instant, pas le cas. Mais je pense que ça va finir par venir. Mets un bus. Ah ouais, un bus au milieu. Oh là. Ah ouais, putain, c'est pas con. Et alors, attends. Attends, on va faire mieux que ça. Ouais, mais j'ai pas envie de choper les arbres. Plante. Okay. Ça va choper des arbres, là. On est d'accord? Ah non. Et si on décale... Oula, oula, oula. Hi. Ah! Attends, je veux décaler du bas, connard. Ah, mais je veux pas dégager le train. Oh merde. Mais là, il manque forcément les points, non? J'ai tous les points, là? Non, si. Pourquoi je peux pas déplacer? Ah, voilà. Tac, on le relève un peu plus vers là-haut. Voilà, nickel. Peut-être même un peu plus. Un peu plus par là, non? Ouais, là, ouais, bien. Ouais, non, là, c'est bien. J'ai besoin de cette combo boutique. Bah, par les trottoirs. Comment vous faites, vous? Comment ça marche, à votre avis? Voilà. Et attends, mais attends, mieux. Attends, on peut mettre des bâtiments uniques. Attends. On a quoi, là? Villa City? Qu'est-ce que c'est que cette merde? On peut mettre bâtiment l'émeraude, tiens, en plein milieu, là. C'est un petit bâtiment sympa. On peut mettre des, on peut mettre un grand... Oh là, j'ai pas la place. Activity Plaza. Putain, j'ai la place de rien mettre. C'est con. Ça, c'est quoi? Oui, bon, ça va être des petites boutiques. Il y aura... Ah, bah voilà, ça, c'est bien. Voilà. Petite boutique au milieu, comme ça. Vous avez pas très foncé. Les pétons, ils accèdent comment aux boutiques? Bah, à pied. Salut, allez, Vivirio. Vivirro, pardon. Il y a des airs dans le parking. Oui, je sais pas pourquoi il y a des airs dans le parking. Ça, c'est bizarre, par contre. Ah oui, étonnant. On va les enlever, attends. Ouais, je sais pas pourquoi il y a des arbres qui sont mis là. Voilà, sans arbres, c'est quand même vachement mieux. Et du coup, non mais je trouve pour traverser les pétons, ils vont tous marcher partout sur la route. Et ben on va rajouter des passages pétons. Regarde. Paf, paf. Ah non mais attends. Non mais attends, des problèmes, une solution. Regarde, bam, passage péton. Voilà. Hop, let's go. Et on va fermer ma sens de circulation au sein de ce truc. Ah ouais, on va pas les faire rentrer par là quand même. On va les faire rentrer par là. Oh putain. Là. Tac. Et on va après les faire repartir. Quoi? Là. Hop, les. On va pas les faire repartir par là, ça va être le bordel, non? Non, mais t'as vraiment les solutions à tout. Mais j'ai des solutions. Mais toujours, moi. Mon métier, c'est mon nom en fait. Solusman. Ouais, alors les bus, peut-être pas quand même, parce que. Ou alors on met une route à double sens. Ouais, peut-être plutôt une route à double sens là. Je sais pas, je la sens pas la route à sens unique. Je sens que ça va être la merde. Déjà que là, à mon avis, ça va être la merde. Voilà. Et là, on rajoute un rond-point. Parce que ça fait longtemps qu'on en a pas mis quand même, et c'est un peu triste. Voilà, nickel. Et là, les bus, comme ça, parfait. Ça va, les Suisses Solusman. Demain, tu live je sais pas. Je sais pas. C'est quoi comme jeu Farming Simulator? Mais non, c'est Cities Skylines 2. Faudrait peut-être le relier au réseau routier si tu veux que ça ouvre. Ouais, alors je crois qu'il n'y a pas de demande là, étonnamment. Ouais, c'est pas pourquoi ça construit pas. Merde, j'ai fait quoi là? Qu'est-ce que j'ai construit? Attends, on peut changer les couleurs des bâtiments là? Ici, on mettait un toit rouge.
comme en France. Oula, ça fait un peu trop. Non, c'est pas rouge ça. Hein. Oula, peut-être un peu. Non, mais rouge, pas. Mais non, mais pas rouge. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ah, c'est bon. Ça fait peut-être un peu trop rouge pétant là, comme toi. Moi, je voulais plutôt un rouge brique. On a pas un rouge brique? Voilà, bien. Merde. T'as pas un rouge brique là? Non. Ça fait lag le jeu. Je peux plus bouger. On a pas un rouge plus brique? Ça va pas du tout là, on dirait. Mais non, ça va pas du tout. Attends, j'en ai des rouges briques là. Qu'est-ce qui est rouge brique? Ça, c'est rouge brique. Voilà, copier. Tac. Salut, un pâtissier, comment ça va? Les briques rouges du Nord. Voilà, exactement. On peut mettre ça là? Ah, bah voilà, mieux. Ah, c'est mieux ça. Et là, pareil, on a trop de. Ah, bah voilà. Ah, j'ai tout mis dans la même couleur. C'est angoissant. Blanc. Voilà, je sais pas ce que je fais, hein, on est d'accord? Voilà, je change des couleurs, mais je sais pas ce que... Ah bah nickel, c'est bien comme ça. Manaré de centre commercial pour les bus. Non, mais oui. Pff. Bah oui, mais ça me... Oui, non, mais... Alors, par contre, il n'y a aucune boutique qui s'installe, comment ça se fait? Pourquoi il n'y a pas de boutique? Ah oui, ça, il n'y a pas de demande en forte densité, en fait, pour l'instant. Donc, on va mettre que des petits commerces, comme des gros nazes. Oui, bon, bah, oui, bah, je suis rien, hein. Ouais, il n'y a pas trop de demande pour l'instant. En fait, il n'y a plus de demande en commerce. C'est con, hein. C'est dommage. Au moment où je me fais chier à construire une zone, il n'y a plus de demande. Et le chômage, il dit quoi? Le chômage, il dit 21%. Mais comment c'est possible que le chômage ait augmenté? Ah oui, un petit parc serait pas con. Ouais, j'avoue. Genre un petit parc comme ça, là. Ouais, pas bête, ça. Deux parcs en face, comme ça. Voilà, nickel. Parcouné. Hop. Ah, les gens, ils adorent ça. Ils adorent les parcs comme ça, là. Voilà, petit. Ah oui, mais c'est des constructions en même temps. On va se détruire ça. Salut OS82, comment ça va? Tout ça pour ça? Ouais! Oui, ça servira quand il y aura de la demande. Et par contre, pourquoi il y a des voitures qui viennent du coup? Puisque. Vous venez vous garer au parking là? Ah, alors attends! Il y a peut-être un coup à jouer, attends. Parce que du coup, attends, j'ai mal au bras. Là. Piéton, sentier pavé. Parce que. Les piétons là, qui viennent de la gare, s'ils veulent aller faire les petites courses. C'est juste en face, tu vois. Mais une zone à faible densité après le train. J'aurais plutôt mis une cité, là, du coup, mais bon, ok. Aucun délire, donc. Non, mais attends, je rigole, hein, bien sûr. Là, on peut mettre une petite collision, petite voie piétonne, là. Non, reste au sol, mon pote. Les piétons qui vont traverser l'arrière du train. Ouais, on met passage à niveau. Mais non, on va mettre un... Attends. On va mettre un pont, regardez. Hop. Merde. On va mettre deux ponts, apparemment. On va mettre un pont, là, hein. Bon, pont, putain de terrasse. Mais quoi, chevauchement des éléments? Vous allez pas me dire qu'on peut mettre un pont, là? Oh, mais vous êtes chiant. Oh, je mets un pont comme ça. Allez, je veux un pont piéton, wesh. Je peux me faire moi-même, là. Ah oui, c'est les piliers qui sont au milieu qui font chier. Non, mais quoi? Oula. Voilà. Un joli pont piéton. Regarde ça. Hop, ça c'est pour les spotters de train, ça. Je sais qu'il y en a dans le chat. Il y en a dans le chat qui prennent des photos de train. Je sais pas, vous adorez ça. Oh merde. Sorte de bique. Les pétons qui vont sauter du pont pour aller sur les rails. Mais non! Ils vont se balader, tranquille. Oh, je suis pas là. Et ça fait arriver au niveau du stop. Mais magnifique. Regarde-moi ça. Superbe! Ouais, il y a peut-être un peu trop de... Passe par le haut, comme ça, besoin de pont. Passe par le haut. Ah oui, j'aurais pu passer... J'aurais... Quoi? J'ai pas compris. Un pont suicide, on aime ça. Mais non, il y a des barrières, regarde, tu peux pas sauter. Mais quoi? Bah, il faut bien mettre des ponts pour que les gens y passent, de toute façon. Bah voilà, comme ça, les piétons, ils peuvent traverser. Mais moi, je pense à tout, hein. Je pense aux piétons, je pense au train, je pense aux petits bambins. Voilà, je pense à tout le monde. Bon, les bus, qu'est-ce qu'ils nous disent, les nouveaux, la nouvelle ligne? Oh là, marche bien, 800 personnes. Bien, c'est bien ça. C'est une bonne nouvelle, on peut peut-être en rajouter un petit peu, parce qu'il n'y en a pas beaucoup quand même. En mettre 12. Ils ont l'air tous coincés dans la circulation, ça c'est bien aussi. Ah oui, putain, ils sont coincés au feu là. Mais ils passent là, les bus? Ah bon? Ah oui, merde, c'est vrai. Ah mais attends, tu sais quoi, on va faire la même chose ici. On va mettre en sens unique, mais que dans un sens. Attends. Non, comme ça. Voilà, on va la mettre dans le sens unique. Voilà, on transforme des routes en sens unique pour le bus. Putain, j'adore ce truc. J'ai vraiment tellement un kiff de pouvoir faire ça. Vous vous rendez pas bien compte. J'ai un peu l'impression d'être Dieu là.
Je transforme des routes. Non, mais c'est tellement... J'ai chialé. Non, mais c'est beau, tu vois. Pouvoir faire chier les habitants comme ça. Quel plaisir. Je ressens ce que ressent Hidalgo chaque jour qu'elle se lève. C'est tellement kiffant, vous vous rendez pas compte. Vous devriez essayer chez vous. Attends, fais voir. Ah oui, ça passe là, en fait, les bus, là. Merci à Broad Bunny pour le Prime. Merci à toi pour ta chaîne, bien sûr. Je me sens Hidalgo. I am Hidalgo, d'ailleurs. Alors attends, par contre là ça va être chiant parce qu'il faut que je modifie toute cette route de con. D'ailleurs qui sert à rien finalement. Attends, on va la supprimer. Non, là, ici. Non, j'aurais pas dû faire ça. Pas grave. Mais attention, j'ai rien contre Hidalgo moi, hein, je m'en fous, hein, je suis pas parisien. Donc j'ai pas de problème. Attends, est-ce que là on est bon là? Ça nous fasse pas une forme chelou. Salut, c'est quoi le thème de la ville? La France! Mais j'ai mis les bus à sens unique, donc c'est forcément la France. Je fais un métier à côté. Je suis clown. Je vais finir une map, Le Havre, pour ceux que ça intéresse. Ah bah, belle, ok. Et c'était, t'as pas trop galéré? Non, je fais un métier à côté, non. Enfin, pas pour l'instant, en tout cas. Voilà, bah nickel, ça. Là, c'est bien, hein. Oh là là, quel kiff de pouvoir mettre des bus dans un sens. Je suis désolé, hein, mais ça fait vraiment plaisir. Faut mettre plus de ronds-points. Ouais, mais là, on peut pas. Parce que c'est un gros carrefour à bus. Et si on met plus de ronds-points, là, c'est vraiment la merde, vous vous rendez pas compte. Ouais, non, là, on peut pas trop, malheureusement. On est un peu limité, là. On est obligé de laisser comme ça, parce que si on met un rond-point, les bus, ils passent jamais, parce que du coup, voilà. Par contre, on peut pas changer... on peut pas changer le temps de bus. Attends. Pas des bus, pas du tout, des feux. Y a pas un monde où on peut faire ça? Où je m'avance une vie? Ouais, sûrement. Ok. Non, mais je sais pas, j'aurais bien changé quelque chose pour les bus, mais pour les trains, les feux. Ouais. Et si je mets pas de feu? Non, on va laisser des feux. Hein. Ouais, on va laisser des feux. Laissons les feux. Ouais. Ah, mais attends, les bus, là. Là, faut mettre des bus dans les deux sens, là. Et oui. Oh là là, le bordel. Voilà, nickel. Oh, quel bazar. Ça, c'est du beau carrefour. Là, t'as tout. Là, t'as passage piéton, double bus, traffic manager pour les... Bah, il n'y a pas de traffic manager, hein, les gars. On est sur City Skylines 2. Là, il y a tout qui se mélange. C'est un plaisir. Hein. Oh, le Fab Sam! C'est pour la phrase, je fais une voix en sens unique, mais que dans un seul sens. J'ai dit ça? Merci Fab Sam, en tout cas pour le soutien. 12e mois Fab Sam, ça fait un an, putain, c'est beau. Merci à toi pour la générosité de soutien porté à la chaîne, bien sûr. Alors par contre, les feux, ils passent au vert des jours, des fois, ou ça dure 2 ans et demi? Non, mais je sais pas, hein. Ah, oui, c'est bon, il passe au vert. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, là? C'est que sa merde, là, c'est quoi ce truc, là? Small delivery truck. Ils sont mignons, d'ailleurs. Parce qu'en fait, si... qu'est-ce qu'ils branlent les bus, là? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Je vous ai mis une voie de bus, bande de cons! Oh là là, ah oui, c'est bon, j'ai un lit. Salut, ça a deux fruits, comment ça? Je pensais que le logo en gauche, c'était Traffic Manager. Ça, là? Non, c'est Traffic tout court. Ah, mais il y a un feu, là aussi? Non, mais il y a des feux partout dans cette ville, là. En fait, ce qui serait bien, serait de pouvoir mettre des feux, genre, comme aux États-Unis. Genre, si tu vas à droite, t'as pas le feu, genre. Tu vois ce que je veux dire? Ça, ce serait top. Bon, ça peut pas, c'est pas possible, mais... Je comprends pas, la circulation est quand même un concept des fois. C'est pareil, c'est des feux tous les 100 mètres. Ouais, mais attends, on va en enlever un peu, je trouve qu'il y en a trop. Non, celui-là, il sert à rien. De toute façon, voilà. Là, c'est bon, on va pouvoir circuler. Voilà, nickel. Et là, il peut passer tout droit, là. Voilà, superbe. Là, c'est bien, ça. Là, j'adore ça. Et après, par contre, il n'y a pas de voie de bus. Bon, tant pis. Il y a un mode pour ça, il y a un mode pour quoi? Prochaine ville avec un thème d'Espagne avec des autoroutes partout, même une gratuite à côté d'une payante et de quartier avec rien. Il y a un mode pour gérer le mais comment il s'appelle? Il y a un mode pour les feux? Attends. Il me semble en avoir vu un, mais je sais plus comment il s'appelle. Ah, Traffic Light Enhancement. Bah oui, je l'ai en plus, je suis con. Il est où? Ah, mais il est là, je suis con. Ah, vraiment, je suis un teubé. Ah ouais, j'ai un bouton en fait. J'ai tout ce qu'il faut. Attends. Par défaut, ça veut dire quoi? Oula. Ça veut dire quoi? Phrase fractionnée. Phase fractionnée, ça veut dire quoi? Autoriser les virages lorsque le feu est rouge. Ah! Feu exclusif piéton. Oh, la vache, trop bien. Ah ouais, mais du coup, il y a que là où ça a vraiment l'intérêt en fait. Parce que sinon, les bus ils tournent pas à droite là. Oh là là. Alors attends. Feu fractionné avancé. Autoriser les virages lorsque le feu est rouge. Voilà. Exactement, c'est ça que je voulais. Feu exclusif piéton, non. Ah, mais j'ai pas sauvegardé, peut-être. Là, j'ai sauvegardé. Ah, mais c'est bon, j'ai sauvegardé. Ok, mais du coup, les bus tournent pas à droite. Et là, ils vont tournent pas à droite non plus, on est d'accord, ils vont tout droit.
Ouais, donc ça va pas vraiment nous servir. C'est pas grave. Mais quand même, ça peut changer les choses. Et là, vous voyez mon carrefour, comme il est vachement amélioré? Mais putain, mais... Mais sur les collines, il y a des gens qui tournent à gauche, là? Non mais vous tournez pas à gauche? C'est pas une voie de voiture, en fait. Ah! Ça va me rendre marteau. Je vais devenir... Ça va me rendre marteau, hein. Mais what the fuck? Alors attends. Ça, c'est nous, en fait. Voilà. Et c'est quoi, cette histoire-là? Ça, c'est pareil. Ça, c'est nous. Vous niquez vos races. Voilà. Comme ça, vous allez bien vous faire foutre. Vous aussi, vous niquez vos races. Non, mais on est chez les fous, là. Vous aussi, vous niquez vos races. Vous avez que tout droit. Pareil, qu'est-ce que vous foutez là, vous? Et ça, c'est non aussi. Faites pas demi-tour comme ça, là. Non, mais on est chez les fous, hein. Voilà. Comme ça, vous êtes obligé de rester en votre voie. Bande de débiles. Bon, je sens que ça va créer des bugs, ça. Et du coup, les voitures, elles vont pas savoir où aller. Et du coup, elles vont prendre la voie des bus. Et merde. Non, mais c'est fou, quand même. Vous savez, vous voyez ce que je suis obligé de faire? Salut, Aurélien, comment il va? On s'est davantage sur une date sur Next Gen? Pas du tout. Non, non, pas du tout. La dernière communication sur Next Gen, elle date un peu. Et c'était... ils savent pas. Donc, pour l'instant, City Skylines 2 sur console, soyez pas pressés, quoi. J'irai commencer l'économiser pour un PC. Voilà. Moi, je serais plutôt comme ça. Après, voilà, chacun fait comme il veut, hein, mais... L'incivilité des citoyens qui prennent les voies de bus. Ah, mais c'est terrible, hein. Non, mais ça, c'est quand même un truc chiant, parce que... Après, en France, t'as des gens qui prennent les voies de bus, hein. Je veux dire, j'en ai déjà vu, hein, ça me choque pas. C'est chiant, mais ça existe, hein. Alors oui, on est d'accord, c'est un bug du jeu, c'est un truc qui devrait pas être possible dans le jeu, mais techniquement, ça existe, hein. J'ai déjà vu des gens prendre des voies de bus, hein. Même si ça devrait pas. Ça existe, hein. Bon, ça construit un peu, là. Ah, bah voilà, on va commencer à avoir une petite zone commerciale, c'est bien, cool. Le plus grand, c'est que ça choque plus. Bah ouais, salut Phoenix. Ça veut dire que le jeu est réaliste. Ça veut dire que le jeu est réaliste, mais sans le vouloir. Tu vois? C'est ça qui est quand même fou. Et qu'il est réaliste, mais il a pas fait exprès. Ah non, il y a de la demande en habitation. Il faudrait qu'on mette d'autres petits quartiers, un peu de bâtiments, là. Enfin, de gros... Parce qu'on a quand même de la demande en forte densité, étonnamment. Mais j'ai pas forcément... Ça me fait chier de mettre de la forte densité, parce que ça fait des gros bâtiments. On a pas beaucoup des tours comme ça en France, normalement. Bah dans les villes, c'est quand même limité. Et j'ai un peu la flemme de mettre des gros bâtiments comme ça. Ça me fait un peu chier, je dois vous avouer. HLM proche gare. Ouais, mais il y en a déjà, quoi. On va pas mettre... Enfin, on en a déjà mis beaucoup, quand même, hein. Bah, proche gare... ouais, proche gare, mais enfin, c'est quand même pas sympa pour eux. C'est quoi le but de la map? Je sais pas trop. Je sais pas trop où on va, mais on y va. Coucou. Un mot loin de tout. Ouais, mais on va pas mettre un mot de building. C'est quand même con. Est-ce que le train fonctionne bien, d'ailleurs? Train. Ouais, pas mal. Ouais, pas mal, ouais. Ouais, ça va. Ah, si, 226 personnes. Salut, Totox. Comment ça va? Je suis pas forcément fan de ça, mais bon, ouais, peut-être pas le choix, hein. Oh, le monde qui a la gare, là. Oh là là. Oh, le bordel. Mais pourquoi il y a des gens dans le métro? Hein? Quoi? Il y a pas de métro? Ah, mais non, mais c'est what? De quoi? C'est un passage piéton sous le bordel pour aller au parking? Oh la vache. Non mais... Plus tard Théo. Waouh. Dans le doute, un gros parking? Non mais attends, c'est fou ça. Ah oui, c'est stylé, c'est pas un métro en fait, c'est des passages piétons. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, c'est ça, c'est des passages piétons. Ça c'est smart, hein. Hop, où celle-là, hein. Bien vu, ça c'est un mode, hein. Ça c'est un bâtiment mode, hein. Vous voyez, il y a un beau pont potentiel qui arrive. Il faudrait un périph', en vrai il faudrait une route qui traverse là, ouais. Qui passe pas loin de la gare, mais quel enfer. Bon bah on va faire quelques tours à côté de la zone là, ouais, bon pourquoi pas, hein. Non mais je suis pas forcément fan de l'idée, mais bon, faut reconnaître que ça peut loger des gens, quoi. Non mais c'est important les logements, hein. Parce que là on a de la demande, et d'un côté on a quand même toujours du chômage, hein. 17%. Où est-ce qu'on peut mettre quelques tours là, un petit quartier par... Après on peut prolonger celui-là déjà, hein. Ah, on peut mettre du logement loyer modéré. On peut en rajouter un petit peu déjà ici. Et on peut peut-être prolonger un peu ce quartier. Mais pas trop non plus, quoi. Je veux pas non plus que le quartier soit gigantesque, hein. Ouais. Mais ça va déjà construire beaucoup là, hein. On va rajouter quelques bâtiments, mais enfin tranquille quand même, hein. C'est une nouvelle map, alors c'est une...
C'est une nouvelle map, mais qui est pas nouvelle, quoi. C'est une nouvelle map qui date de juillet, qu'on avait fait 2-3 lives dessus, et puis on avait un peu laissé tomber parce qu'on avait fait autre chose. Et puis, puis là, on est revenu dessus, quoi. Oui, il y a le chômage à baisser, oui. Oui, il y a le chômage, il y a le chômage qui est sacrément élevé, ouais. Chômage à 18%, là, ça commence à faire beaucoup, ouais. Aïe. Le chômage a baissé. Le truc, c'est qu'à part de la demande en agriculture, après l'éducation, je m'en suis pas du tout occupé. Non, pardon, mais... Ah ouais, putain, il faut des lycées. Oh là. Oh là, 40 000 habitants, on pourrait peut-être mettre une petite université, quand même. Ah oui, j'ai peut-être oublié de mettre des écoles. Oh là là, putain, il y a une école, là. Attends, est-ce qu'il y a une école, là, par exemple? Ça doit être pleine, là. Attends, mais comment il peut y avoir 400 élèves, là-dedans? Il y a 700 habitants. Alors attends, déjà on va mettre des écoles. Enfin, l'école c'est bon. Ah si, il faut quand même une petite école primaire. Oh, ils sont chiants, hein. Tout le temps, il faut les mêmes bâtiments. C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'écoles en centre-ville quand même. Ça manque un peu. Mettre une petite école par là, là. École, petit lycée. Ça c'est quoi? À côté de l'hôpital? Mais peut-être pas une bonne idée ça. Ça va faire trop de concentration de gens. Et plus par là. Il y a un petit lycée à côté. Ou un gros lycée urbain. Voilà, à côté. Ah bah nickel. Paf, gros lycée, belle école. Et on rajoute des petits parkings devant. Parce qu'il faut bien que les gens y aillent quand même. Oula. Alors par contre, en termes de dénivelé, là, en termes de terraforming, là, c'est pas top. Hein. Je suis obligé de faire ça, parce que sinon, c'est les... Ouais, c'est quand même les... 400 enfants pour 700 habitants, je soigne quelques adultes de se faire passer pour des enfants. Non, mais je pense qu'en fait, il y a des gens qui trouvent pas de place à l'école là-bas, du coup ils viennent là. Parce que je pense que si je fais ça, attends, si je fais, voilà, à mon avis on aura moins de monde là-dedans. Je pense, hein, on va voir, mais à mon avis il y aura moins de monde. On va mettre un petit gymnase, tiens. Je pense qu'il y aura moins d'élèves, parce que là je pense que dans une ville comme ça, on a 320 ménages. En fait, il y a 620 habitants exactement, parce qu'il y a 100 chiens. Oui, ils sont côté que des habitants, les chiens, oui. Et, bon. Donc, ouais, ça veut dire que... Combien d'enfants? On peut le voir, d'ailleurs, combien d'enfants? Il y a 200 enfants. Voilà. Donc, il devrait y avoir à peu près 200 personnes à l'école. Si tu m'as levé, me dirais, est-ce qu'il y a plus de criminalité? Non, je crois pas. Non, parce que t'as un loyer plus faible que t'es forcément plus un délinquant, hein. Et le temps que le truc recalcule, je suis pas sûr que ça marche. Il prend une place importante dans nos vies, ces petites bêtes. Ah mais je suis d'accord, hein. Attention, c'est vrai qu'il vous dire le contraire, hein. Et du coup, en termes d'école et tout, on est mieux là. Allez, par contre, il nous faut des établissements d'enseignement supérieur et une petite université. Il nous faut une petite Raw University. On va essayer de mettre une petite université dans le centre-ville. Près du château. Ce sera l'université du château. Elle va s'appeler comme ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une école. Ouais. Ça c'est quoi? Des maisons? Attends, j'ai vu qu'il y avait un autre bâtiment par là. Ça c'est une école aussi? Ouais, ça c'est une école. Où est-ce qu'on pourrait mettre une petite université? À côté du bureau de l'aide sociale, peut-être pas. Par là, là. Non, on va détruire. Là, par là, ça c'est bien là. Petite université ici, là. Ça passe là? Ouais. Ah, elle est pas connectée? Bah pourquoi elle s'est pas connectée au bâtiment? Oh. Madame, vous êtes conne? Oui, bah oui, ça détruit des bâtiments, oui, mais ça c'est pas grave. Mais pourquoi elle se connecte pas celle-ci? Ah voilà, c'est bon, les collectés. Ouais, c'est vraiment une petite université, hein. C'est vraiment tout petit, hein. Ouais, il faut pas... Il vient d'où le bus, là? C'est presque trop petit, même, d'ailleurs. Ouais, il nous faudrait... Ah, peut-être... Ouais, mais ça fait pas très... Ça, c'est gros, quand même, hein. Oui, si on pourrait mettre un petit quartier ici. Voilà, on en met deux dos à dos. Comme ça fait un bâtiment plus gros. Attends, je vais tenter un truc. Attends, on va tenter un truc. On va tenter un truc, bouge pas. Voilà. Reste ici, toi. Toi, casse-toi. Toi aussi. Et là, on fait. Attends, on en met une deuxième ici. Et on fait comme ça. Tourne-toi, je te dis. Voilà. C'est vraiment une école de commerce pour avoir des diplômes non reconnus par l'État. Ouais, pourquoi? On n'a pas dit que c'était non reconnu par l'État. Ou alors, on met un chemin entre les deux. Ouais, non. Ça fait un petit jardin entre les deux. Mais ça fait un peu le même bâtiment, quoi. Mais c'est les tables là qui font chier là. Pas en face. Voilà. Ouais, bof, on dirait une usine. Non, mais c'est pas terrible comme bâtiment, il est moche. J'aime pas ce bâtiment en fait.
je suis pas fan de ce bâtiment. Small High School, ça c'est gros, c'est pas ouf. Ouais, non, c'est pas ouf. Pas fou du tout. Après, on a Big Row University. Bah, il y a ça, mais ça fait un peu trop... ça fait très université américaine, quoi. T'as l'impression d'être... ouais. Ça fait un peu trop américain. Après, si je change la couleur, ça fait un peu moins américain, déjà. Ouais, pas foufou, hein. Pas foufou, l'université, pour l'instant, hein. On va être obligé de se contenter de ça, mais c'est pas... on est loin de la fac de lettres d'Orléans, quoi. Je dis Orléans, comme j'aurais pu dire aussi. Et à côté, on a un petit lycée. J'ai besoin de lycée ou pas? Non, il y a besoin d'établissements d'enseignement supérieur. Mais les établissements d'enseignement supérieur sont beaucoup trop gros. C'est quoi déjà? Raw Collège, c'est ça, non? C'est gros, ça aussi, putain. Université sans budget et délabré. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça qu'il veut. Ça, c'est bon, ça, ou pas? Ouais, c'est un peu mieux, mais ça va pas faire beaucoup de place, hein. Bah, deux bâtiments universitaires. Ah, mais après, on peut mettre des tags. Oula, c'est quoi le bug, là? Pourquoi ça fait ça? Ah, mais il y a un bâtiment... Hein? Pourquoi ça fait ça, là? On peut pas décorer les côtés? Mais j'ai plus le mode pour décorer. Il est où, déjà? On avait un mode, ça y est, pour décorer les côtés des bâtiments, mais je sais plus où il est passé. Tiens, les textures, là. Merde, comment il s'appelle, déjà? Bon, bah, on pouvait mettre des décals sur les bâtiments. Je sais plus comment il s'appelle. Pas grave. Pas grave. Bon, déjà, ça va faire un petit peu d'université. Pour mettre plusieurs bâtiments identiques, mais en rectangle. Ah, mais ce truc, c'est que j'ai pas beaucoup de place, moi, là. Hein. Je suis un peu limité en place, hein, quand même. Hein. Ah, il y a des commerces qui vont s'installer à la demande. Ah, bah voilà, ça commence à construire. Ah, c'est bien. En fait, il aurait fallu que mon cercle, il soit plus éloigné. Alors, attendez, on va faire un truc. On va enlever un parking sur deux. Ouais, ouais. Oh, putain, la connerie. Attends, on va faire un truc comme ça. Ouais, 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 ouais. Parce que sinon, ça va... Et on va avoir plus de commerces que d'habitants. On va avoir plus de parking que de commerce, c'est pas dommage. On va rajouter ça comme ça là, voilà. Voilà, ça va être mieux comme ça, je pense. Merde, il y avait déjà des boutiques. C'est une fac, faut des tags anarchistes sur les côtés. Oh, les clichés, putain. Mais c'est chiant, pourquoi ils y vont pas, c'est fou. Pourquoi les... Tu vois, pourquoi les gens, ils s'arrêtent? En fait. Non mais c'est complètement con, ces bus. Non mais c'est... Ouais. Il passera jamais, hein. Et vas-y, trou de balle. Ça me tue. Les mecs, ils vont rester là une heure, puis ça va faire un bouchon de bus. Pourquoi on se fait chier à mettre des voies de bus? Non, mais quand même. C'est fou, hein. Salut, petit Jou, comment ça va? Il n'a pas bougé depuis tout à l'heure, hein. On ne changera pas de point de vue sur le jeu tant qu'il ne sera pas bougé. Non, mais ils passeront jamais. Faut pas faire passer les bus par le rond-point. Ouais, mais ça devient chiant quand même. Hein. Il est parti pour un café. Il a laissé son véhicule, c'est barré. Non, mais qu'est-ce qu'on peut faire là? Mais c'était fou. Il a fait chambre d'AVC. Monsieur, vous êtes décédé? Monsieur? Monsieur, ah bah vous avez une vitre teintée, je peux vous voir. Non, mais c'est quand même fou, là. C'est débile, ça. Là, il y a deux voies dans le rond-point, en plus. Il n'y a pas de raison. Putain, c'est relou de ouf, hein. Oups. Oups, j'ai pété la route. J'ai peut-être pété la route. Non, tu vas pas plus? Ok. Bah, c'est top. Mais c'est fou! Un plus gros rond-point, mais ça change rien, je pense, hein. Là, j'ai fait un... Ah si, ah non. Ah oui. Non, oui. Eh non. C'est dingue, hein. Mais pourquoi... Ils sont buggés, en fait, je pense. En fait, c'est buggé, je pense. Je pense que j'ai l'impression que la voie là, elle est buggée. Je pense que c'est à cause des ronds-points. En fait, le problème de ce jeu, c'est que c'est développé par un studio où, en Finlande, il n'y a pas beaucoup de ronds-points. Et le mode Road Builder, il n'intègre pas les ronds-points. Et je pense que mes routes là, vous voyez, celles que j'ai créées là, le fait qu'il y ait une médiane au milieu ici, je pense que ça fout la merde au niveau des ronds-points. C'est, voilà. Pas quand j'ai la trajectoire avec un mode, là je peux rien faire. Les chantiers ont disparu suscitant sans travaux apparents de la mairie de Paris. Salut Guesser, salut Audrey, ça va bien et toi? Donc en fait, on va être obligé de mettre des feux parce que les ronds-points sont pas bien intégrés dans le jeu, quoi. Voilà. C'est con, hein. Faut trouver un mode de ronds-points, il n'y en a pas.
Ouais, tu vois, en fait, c'est là la connexion entre les deux routes là qui va pas. Bon, alors faut faire un contour de bus, mais là ça devient quand même relou. Là, faudrait faire ça en fait. Mais bon, c'est chiant quoi. Là, faudrait faire ça. Comme ça, les bus ils passent là. Ah, bah voilà, il faut éviter les bus, le rond-point. Rond-point builder, c'est ça qu'il faut. Et merci à Geyser pour le 14e mois, merci à toi pour le jeté, soutien pour ta chaîne, bien sûr. Mais bon, là, là, on est chez les fous là. Ah, parce que du coup, ça me bloque toute ma circulation, moi. C'est relou, hein. Ah ouais, mais là, ça a complètement tout fait bugger, là. Oh là là. Oh là là. Putain, mais quel bordel. Ah, mais attends, les gens, ils font demi-tour, maintenant. Non, mais vous êtes chiants, les gens. Arrêtez de faire demi-tour, en fait. Oh là là, putain, il y a encore tellement de boulot sur ce jeu. Arrêtez de faire des demi-tours, déjà. Bon, bah, ça me saoule, j'enlève le feu. Non, mais j'étais obligé de mettre un feu, hein. Ah, si c'est bon, il passe, là. Ah, mais il y a un feu maintenant, putain. Parce que ça met des feux en plus. Voilà. C'est bon, on a corrigé, on a trouvé, on a corrigé un correctif. Ça, vous voyez? Vous voyez ça, ce que je viens de faire là? Quand tu bosses dans l'informatique, ça s'appelle un bug. Et ça s'appelle contourner un bug, mais pas le résoudre. Voilà. C'est pour ça que la plupart des applications et des jeux vidéo sont complètement pétés. Parce que putain, c'est le même problème ici, mais ça commence à me faire chier. Ça a mis un stop à la fin de la nouvelle voie de bus? Non, mais c'est de la merde. Bon, bah, t'es obligé d'enlever les ronds-points. Non, mais ça, ça me tue d'enlever les ronds-points. Ah, ça me tue. On est obligé d'enlever les ronds-points. Ah, et franchement, on est là dans notre vie. On est obligé d'enlever les ronds-points. C'est vraiment ça, notre jeu, là? Coucou. Ah ouais, bah ouais, avec les feux, ça marche mieux, hein. Tu veux tirer la bande de bus à l'approche du rond-point. Ouais, mais du coup, ça sert plus à rien que je me fasse chier à mettre des bandes de bus, hein. Mais oui, c'est ça, faut que j'enlève les ronds-points. Oula. Avec les feux, ça marche mieux, hein. Alors là, par contre, il y a un petit bug de... Ouais. Attendez. Ah, c'est chiant. Et du coup, effectivement, le mode rajoute un peu des bugs, je crois. Voilà. Ouais, pas de choix, hein. Bonjour, bonjour Emeline. Bonjour, c'est possible d'avoir le nom des modes pour les routes STP. C'est Road Builder. Il est là, là. Road Builder. Écrit en haut à gauche. Bah voilà, on est obligé de rajouter des... On est obligé d'enlever des ronds-points. Bah, puisque ça, je vais en rajouter à d'autres endroits. Que ça m'a attristé. Où est-ce que je vais en mettre? Faut en mettre un là? Faut en mettre là. Je peux pas en mettre. Tu peux en mettre nulle part en fait, c'est ça? Non mais c'est ça, c'est quoi l'histoire là? Non mais quoi? Mais on est où là? Je m'en fous, j'en mets quand même. Allez vous faire foutre. Ah bah là celui-là il sert à rien. Ah bah celui-là il sert à rien, oui. C'est des routes piétonnes. Évidemment, il est un peu inutile. Voilà. Je fais ça, je rajoute des ronds-points, des endroits où il n'y en a pas. Voilà, c'est ça que vous. Voilà, pareil, on peut en rajouter aussi. Je m'en fous. Je mettrai des ronds-points. Que c'est ma destinée. Rond-point man. Voilà. Chacun son... Tac. Masse de rond-point. C'est ça, j'en fous partout. Plus ça, j'en mets partout. Voilà, chier. Rond-point sur rond-point. Tiens, dans votre gueule. Vous allez faire quoi? Là, c'est pareil. Rond-point. Rond-point. Voilà, y a pas de rond-point. Tiens, prends ça. Des ronds-points de vengeance, exactement. Voilà, y en a... C'est bon, y a assez de ronds-points, là? Voilà. Et celui-là, il est bien. Celui-là, je l'adore. Celui-là, là, ça, c'est... Ah bah, ça, c'est mon Nantes, ça, hein. C'est mon Nantes natale, pas du tout, je suis pas du tout Nantes. Mais non, c'est ça, ça c'est bien ça. Voilà. Je suis en crise de rond-point, j'en mets partout. Partout où je peux en mettre, j'en mets. Attends, où est-ce qu'on peut en mettre d'autres? Je suis sûr qu'on peut en mettre plein dans les banlieues là. Regarde ça là, putain, ils vont en mettre partout là, avec des statues nulles. Tac, 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 tac. Voilà, on sait même pas pourquoi on met des ronds-points, on s'en fout, il y a même pas de feu de toute façon. Voilà. Ça c'est une belle attaque de rond-point, je t'en ai mis partout mon gars. Et encore, je peux encore mettre là, je peux en mettre là. J'en ai même sur les endroits où il y a des passages piétons. Oh, c'est beau, il faut qu'il y ait plus aucun carrefour sur rond-point. C'est bon là? Là on peut en mettre un aussi. Non là il y a des bus donc ça va être chiant. Là, là, t'as encore un rond-point sur rond-point. Ah merde ça a fait bugger. Bon j'enlève celui-là. Ah merde ça a fait bugger celui-là. Il a serré. Ouais pardon excuse-moi avec les passages plutôt au milieu c'est magnifiquement diabolique. Bien sûr. C'est quoi ton record d'habitants sur une ville? On avait fait combien sur la map la mise à jour 2.0 là? On avait fait 350 000, 3481? Je sais plus. Je vais voir le meilleur rond-point du monde. Si c'est un rond-point en Angleterre, je le connais déjà, je l'ai déjà refait. Bon, bah voilà. Ah bah là aussi, là, il n'y a pas de rond-point, là. Oh, ça va pas, non? Un rond-point avec des arbres. Voilà, tac, là, il y a un rond-point maintenant. Là aussi, dans ta gueule. Chez. Où est-ce qu'on peut mettre d'autres ronds-points? Oui, je gère pas la ville, je fais que des ronds-points. Vous allez faire quoi? Ok, c'est bon. Nickel. Bon, c'est bien, je suis content, on a rajouté des ronds-points, on peut s'arrêter là. Là aussi, tiens, bam. En vrai, c'est... vous trouvez pas. Attends, j'ai envie de mettre un rond-point alors qu'il n'y a rien. Je mets un rond-point juste pour mettre un rond-point en fait. Suzeboule. Voilà. Pour le plaisir.
Non, il y a pas des maires dans ce chat qui ont envie de mettre des ronds-points des fois dans leur ville, juste pour le plaisir. Voilà, ronds-points sans raison. Merci à Choui pour le Prime, merci à toi pour la chaîne, bien sûr. Excusez-moi, j'arrête ma crise. Pour essayer de faire une ville où tu essayes d'avoir le max d'habitants. Bah ouais, on pourrait, mais ça a pas trop intérêt, quoi. C'est marrant au début, puis après c'est vite chiant. C'est bon, j'ai fini ma crise de ronds-points. J'en ai mis 55 000. En Belgique, il y a des routes où les ronds-points s'enchaînent. Oui, mais ils ont une utilité, hein. Là, j'en ai mis, ils n'ont pas vraiment d'utilité. Hein. Un rond-point dans une ligne droite. Mais en fait, c'est ça qu'on devrait faire en France. Bon, en vrai, ça coûte peut-être un peu cher. Mais pour faire ralentir les gens, plutôt que mettre des dodanes à la con, tu mets des ronds-points. Alors, mais attends, bon, ça prend un peu de place. Et ça coûte un peu cher. Mais en vrai, est-ce que l'idée est pas bonne? Et moi, je m'assois. Oh, les jambes. Magnifique susboule qui est passé. Attendez. Ah, je vais me faire écraser par mon propre bureau. Je vais mourir, salut. Ce que j'ai vu au Québec, il y en a quasiment pas. Ah oui, mais c'est normal, tous les ronds-points sont... J'ai vu un con prendre un rond-point à 70. Et il a réussi à passer. J'assiste à une crise en manque de rond-points. Ouais, passe un bon dimanche chez toi. Non mais quoi, voilà. Désolé, mais bon, là, tu vois, là, il y aurait la potentielle pour faire un gros rond-point. Mieux des maxi-donanes dans des côtes à 30%. Ah mais ça, je peux pas faire. Là, je peux pas faire, malheureusement. Mais si je pouvais, je le ferais, crois-moi. Non, mais si je pouvais, je le ferais. Bon, bref, on n'est pas là pour mettre des ronds-points, en fait. On a une ville à gérer, nous. On est maire. Est-ce que les bus marchent? Oh, quoi? Si peu? Pourquoi? Ah, mais ils sont coincés dans la circule, hein? Oh, putain! À chaque rond-point, ça va être le même bordel? Ça me casse les couilles. Bon bah vous avez raison, on va être obligé de changer la route ici hein. Ouais, c'est chiant. Tu mets les voies de bus à la place. Ah c'est con, ça casse l'objectif du mode. Bon ça change rien, ça le dit. Et si je fais la même chose ici? Ah ouais, mais c'est chiant là. On s'était fait chier à faire des belles routes nous. Ah ouais, putain, c'est ça. C'est à cause du mode que ça fout la merde. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut remettre des ronds-points. Ah ouais, ça va vachement plus vite maintenant, regardez. Wouhou! Ah ouais, yon. Bon bah c'est-à-dire qu'il faut enlever le mode à l'approche des ronds-points. C'est-à-dire que potentiellement on pourrait remettre des ronds-points. Le must c'est un donut sur autoroute. Non, le must c'est quand même les communes qui font des ronds-points avec des dodanes dessus. Vous avez déjà vu ça? Il y en a pas très loin là, mais des fois je les prends en vélo. Et en fait c'est un rond-point qui est surélevé par rapport au reste de la route. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un concept ça aussi. Hein. Ah bah ouais, ça se passe mieux là du coup. Ouais, faut que je fasse pareil là du coup. Là ils sont gênés là. Mais ben là ils passent nickel par contre. C'est fou, ça dépend vraiment des endroits. Hein. Bref. C'est la fin de mon coup de gueule. Ouais, c'était déjà une route normale, je crois. C'est pas un dodan mais un plateau surélevé. Ouais mais ça ressemble quand même à des dodanes. Mais des feux rouges au rond-point. Malheureusement on peut pas pour l'instant mettre des feux rouges au rond-point. Mais crois-moi, le jour où on peut, t'inquiète. Ben, je pense pas qu'on puisse mettre de. On peut mettre des feux au rond-point? Mais non. Ah non, on peut pas. On peut pas? Ah si, allez, dis-moi qu'on peut. Quoi? Non, on peut pas mettre de feux au rond-point. Attends, si, non? Non, ça fait rien. Ah, j'aimerais tellement. Salut Jokerini, bienvenue à toi, comment ça va? Salut CotiTok. Et c'était pas d'enjoindre sur Twitch, hein, en fait, CotiTok. J'espère que vous allez bien. Non, on peut pas, malheureusement. C'est triste. Ouais, mais bon, j'aurais aimé. Un jour, peut-être, on pourra. Un jour, on pourra. Bon bref, il faut gérer la ville, le chômage, 24%, putain, j'ai l'impression d'être Macron. Oui, dans le 1, on pouvait, il n'y avait pas de rond-point, forcément, on pouvait. J'ai l'impression d'être un homme politique, là, je blablate, mais je ne fais rien pour améliorer le quotidien de mes habitants. Ils sont dans la tristesse. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de travail, nos habitants. Et ils ont besoin d'agriculture, donc on va aller rajouter des grands champs comme on a fait là. D'ailleurs, on pourrait encore rajouter des champs le long de ici, là, d'ailleurs. Coup dur pour Macron. Bah ouais, c'est un petit tacle comme ça que j'aime bien faire à notre président. Il est le président de tous les Français d'ailleurs, je tiens à le rappeler. Traverse la rue. Allez, salut Yas Gaming, comment ça va? Traverse la rue. Celle-là, elle est bonne quand même. Et faut dire ça à mes habitants, hein. Moi, c'est bon, hein. Regarde ça, bam, voilà. 100% de chômage, perso, bon, je suis au début de ma ville. Ouais, mais t'inquiète, le chômage, ça va, ça vient. Il y a des moments, on avait réussi à avoir du chômage négatif, nous. Là, j'étais quand même sacrément heureux. Je sais plus quelle map. Voilà, regarde ça, c'est beau, ça. Un petit champ le long du train.
Ça, c'est vraiment... mais ça, c'est ma France aussi. Hein. Ça, c'est ma France. Un TGV à côté du... Non, mais ça, c'est beau, ça. Ouais, je vais t'en mettre d'autres. Hein. Bon, bah, alors là, c'est... ça, c'est tout vu. Hein. Oh, j'adore ça. J'ai l'impression de reproduire le... Ah, ouais, c'est beau. Jusque-là, là, tac. On longe l'eau. Bon, dès qu'il va y avoir une crue, t'as tous les pégus qui vont se plaindre. Oui, c'est dégueulasse. Comment on fait? Il faut que l'État paye. Oui, bah, vous avez qu'à pas construire en Bordeaux, en fait, bande de cons. Pardon. Salut Nutting, comment ça va? Ouais, ça va bien, merci. Les champs ronds, c'est un peu un coup. C'est un peu couillon, je trouve, sur CS2. Les champs ronds? Les champs ronds? Mais là, c'est vrai que ça fait un peu ville de province. Ouais. En France, les rails de train sont sur une surélévation en terre et pas un pont. Oui, mais je ne peux pas faire de surélévation en terre, en fait, pour l'instant. Donc, il va falloir se contenter de ça, mon bon ami. Parce que le jeu ne permet pas de faire des surélévations en terre pour l'instant. Voilà. Donc on fait comme on peut. À Bordeaux, oui, non mais je disais ça sans forcément viser quelqu'un. Hein. Je disais ça comme ça. La zone pour étendre un champ est ronde. Ah oui, 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 exact. Oui, ça c'est vrai que c'est un peu chelou, ouais. Ouais, je suis d'accord. On pourrait rajouter des champs également là, parce que je pense que c'est cultivable là, non? Ouais, c'est cultivable. Ouais. Tellement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de circulation sur ces routes de merde là, ou ça va? Comment les gens ils viennent travailler là d'ailleurs? Je me pose la question. Parce que c'est vachement loin de la ville. Oh là, les bouchons de connards. Comment ils font pour venir travailler là, les gens? Et est-ce qu'on peut mettre de l'agriculture jusqu'où là? Alors, on pourrait en mettre aussi. En vrai, il faudrait qu'on commence à construire la suite de la ville ici, je pense. Hein. Parce que, ouais, je pense qu'ils viennent en autoroute, ouais. Ah, mais t'imagines la longueur du bordel? Attends. Attends, c'est où les routes là? Ils sont obligés de passer là, passer là, passer là, ou alors ils sont obligés de faire tout le tour en passant par là? Oh! Attends, t'imagines que si t'habites, mettons, lui là, par exemple, il travaille où? Ah merde, c'est pas, il travaille pas lui. C'est un vendeur. Lui, il travaille où? Merde, c'est encore un vendeur. Lui, par exemple, richesse moyenne, misérable. Oui, bon bah écoute, t'arrêtes de te plaindre en fait, mec. Où est-ce qu'il travaille? Voilà, par exemple, ce ménage là. Travaille où? Retraité. Ah bah tiens, comme par hasard. Il travaille là, il sait où ça? Ah bah il travaille à côté, il travaille dans les bureaux, c'est facile. Mettons lui là. Où est-ce qu'il bosse? Putain, mais on a que des pauvres. Sans emploi. Ah bah tiens. Comme par hasard. Où est-ce qu'il... Sans emploi. Mais c'est quoi tous ces chômeurs là? Ah mais c'est vrai qu'on a beaucoup de chômeurs, forcément. Modeste, sans emploi. Putain, mais on a que des chômeurs. Aisé, ah. Ah bah il travaille à l'hôpital. Ah bah oui, bah, comme par hasard. L'étau électronique. Étudiant. Putain, c'est une famille. Mais oui, mais on a que des chômeurs en fait. Forcément, je trouve que des chômeurs. Oula, putain, il y a beaucoup de familles là. 6 enfants, 6 personnes, ils travaillent où? Retraité. Oh, ah, employé. Bendis Letters, c'est quoi? Mais putain, ils bossent à côté. Mais qui bosse? Attends, mais c'est fou ça. On va aller chercher directement la ferme. attends, elle est où la ferme? Il est où le bâtiment de la ferme? Il est là. Vous, qui c'est qui bosse quoi là? Ah, mais on peut pas faire dans ce sens là, putain, c'est dommage. On est citoyens qu'on mérite? Bah ouais, apparemment, ouais. Putain, mais chiant, comment on peut savoir où est-ce qu'il bosse? Lui là, par exemple. Toi, tu bosses où? On va en trouver un qui bosse à l'agriculture. Ah, école primaire! Putain, mais ils bossent tous à côté de chez eux, ils ont trop de la chance! Ah, attends, capine, c'est quoi ça? Ah, ça c'est loin! Bon, mais c'est pas si loin que ça, en vrai, hein. Bon bah voilà, on a des habitants, ils bossent tous à côté de chez eux là, c'est facile. Employeur, Wingpack Hardware, c'est quoi ça? Mais il y en a pas qui bossent à l'usine là? Parce qu'on a quand même de l'emploi d'usine. Ah mais faut que j'aille voir les pauvres qui vivent là non peut-être. Genre eux ils bossent où là? Lui par exemple. Backpack médical. Ah bah ça c'est loin. Et comment il y va le gars? On peut savoir ou pas? Putain, j'ai cliqué sur quelle maison, je sais plus. Merde. C'est où? Oh, bah tant pis, hein, on trouvera plus jamais. C'était ça, je crois, non? Non, dommage. Ah, DLC Hut, attends, j'ai cliqué où? 41 rue du Doyen. Ça, c'est où? Non, c'est à côté. Bon, bref, du coup, il y a beaucoup de... Ah, mais oui, ça, j'ai pu regarder les voitures. Bon, du coup, c'est long, quand même, pour aller jusque-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait faire un bus qui va jusque-là? On pourrait faire un train qui va jusque-là? Après, on a déjà un train qui va jusque-là, techniquement. Est-ce qu'il est utilisé, ce train, d'ailleurs? Non, pas trop. Hein. Et le bus qui est là, d'ailleurs, est-ce qu'il est utilisé?
pas celui-là. Celui-là. Pas trop non plus. Superbe. Je sais pas comment on peut faire pour des. Parce que comment les gens. Ah ouais, les gens qui bossent à la ville et qui bossent. Enfin, les gens qui bossent à la ville, ils travaillent rarement à la campagne. Donc, si, quand même, ça peut arriver. Mais comment ils y vont au boulot? Ils sont obligés d'y aller. Ils sont obligés d'y aller en voiture. De toute façon, on n'a pas le choix. On est d'accord? Comment vous faites, vous? Moi, je travaille chez moi. Donc, je compte. Voiture, taxi? Il n'y a pas de taxi dans ma ville. J'ai interdit les taxis. Ils sont obligés d'aller en voiture, quoi, en fait. Ils se téléportent. Putain, c'est ça, j'avais pas pensé. Ah, il faudrait qu'on fasse des routes un peu en travers là, parce que les pauvres ils doivent se taper des trajets d'enculés. Voir les voitures garées là. La famille Nessie. Ah bah tiens, nickel, eux ils habitent où? Putain, voilà, ils travaillent là eux. Ils habitent là, c'est vachement loin. Ouais, ils doivent se taper tout ça là. Oh là, mais quelle galère, moi je fais pas ça. Hein. Construire un parking. Non, y a pas de piste cyclable dans le jeu, bon là. Ouais, je sais pas comment on peut trouver une solution. Parce que là, ils sont obligés de prendre la départementale. Chez nous, pour la campagne, à la campagne, les voitures, les petits trains, les bus. Ouais, mais j'ai pas fait de bus. Après, on pourrait faire un petit bus qui dessert la campagne. Ouais, je suis un mec sympa. On pourrait faire des bus qui desserrent les coins agricoles. Parce que là, il y a quand même un sacré bassin d'emploi, en vrai. On se rend pas compte, mais... Si, ça va faire au moins 1000 emplois, je pense. 714. Bon, c'est un peu moins de 1000, mais quand même. Bienvenue ceux qui ont pas les moyens d'acheter une voiture et qui bossent dans les champs. Bah, ils se démerdent. Ça existe pas, ça. Bah oui, je sais que ça existe pas, mais bon. Parce que nous, le problème qu'on a, c'est qu'on a beaucoup d'emplois qui sont en dehors de la ville. Parce que là, ça, c'est le plus gros bassin d'emploi. Et c'est 4500 emplois. Bon, après, il y a le train, là, pour le coup. Hein. Mais je me demande des trucs, quand même, parce que... Là, il y a déjà le train. En plus, le train, il passe à côté, là. Hein, donc, on pourrait faire un arrêt. Mais les gens, ils prennent pas le train, là. Mais comment ils viennent? Ouais, mais avec le train, ce sont 4 voyages et pas plus. 2 allées de retour. Pourquoi 2 allées de retour? Un aller en retour, non? Ça fait, en vrai, ça fait loin à l'échelle de la ville. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais d'aller de là, de ici jusqu'à la ville, on est à plus d'une heure en vrai, hein, en voiture. En train, c'est beaucoup plus rapide. Hein. Et sauf que le train, il est un peu boudé dans le jeu quand même. Bon, il y a le monde en bureau. Ah, ça va construire. Ah, bah oui, ça a construit là, let's go. Oh, il y a un bâtiment qui a brûlé. C'est mon pote. Tac. Bah tiens, on peut rajouter d'autres petits bureaux là en moyenne zone. Et là, on peut mettre d'autres petits commerces. Oui, pardon, je passais à autre chose. Hein. De toute façon, on m'a pas réglé. Putain, il y a les bouchons là aussi, ça y est, ça commence. Là, il y a des feux. Oh là là. Le train est gratuit, ouais, le train est gratuit en plus. Je suis un mec sympa, je mets les transports en commun gratuits. Oh, la deuxième ligne qui prend le pas sur. Oh putain, la vache, ils sont tous pleins. Oh là, ils sont coincés à la circulation. Ouais. Oh non. J'ai envie de crever. Mais c'est quoi ce bordel? Les bus, ils sont coincés dans la circu maintenant. Bah oui, parce que du coup, j'ai changé la route. Je les hais, hein. Vous comprenez ça? Je les déteste. Putain. Bah oui, forcément. Et si je fais ça, là, est-ce qu'ils vont se barrer? Ah ouais, mais là... Du coup, ça valait pas le coup de changer la route, parce que... Oh là là, on a un bouchon! On a un rond-point bouché, maintenant! Oh là là... Ah mais il y a toujours le même problème en fait. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ouais, je crois qu'on va finir par mettre un tram. Hein. À 48 000 habitants, je pense qu'on va remettre un tram. On va mettre au pouvoir, je pense. Oh là là, mais quel enfer. Ah mais le truc c'est que cette route là, ce bâtiment là, il a pas... Il y a 633 minutes d'attente. Non mais il y a 840 personnes qui attendent là comme des cons. 840 personnes. Non mais... Et eux, ils sont tous coincés où, là? Ah bah, tous au même endroit, en fait. Ah non, c'est qu'ils viennent du dépôt. En fait, je me demande à quel point... Je vais pas finir ma phrase. Non, mais... Je me demande à quel point il faudrait pas plutôt réduire cette route d'une voie. Ouais, mais bon, ça fait chier, mais bon. Et transformer vraiment... vraiment mettre une voie de bus qui longe en mode parallèle, quoi. Genre, mettre une voie de bus comme ça, là. Genre comme ça quoi. Là les bus ils éviteraient vraiment la circu parce que là c'est un enfer. Est-ce que du coup si je rajoute un... Oh non, si je rajoute un rond-point ça marche pas. Parce que là c'est vraiment un bordel monstre. Je déteste la gestion du trafic dans le jeu. Mais en fait c'est qu'il y a des petits bugs. Alors tu te dis comme ça c'est anodin. Mais le fait que les bus... Enfin que les... En fait le truc c'est que
dans le jeu, je vous ai fait un doigt, pardon. La cohérence des habitants, c'est que ils prennent le trajet le plus rapide. Donc, si tu mets des transports en commun, techniquement, un transport en commun dans toutes les villes du monde, c'est plus rapide qu'en voiture. Il n'y a pas de question là-dessus. Le truc, c'est que si tes transports en commun, du fait de bugs du jeu, ils sont coincés dans la circuit, bah, du coup, le jeu, plutôt que de se dire bah, « Attends, je vais prendre le bus, comme ça, il y aura moins de voitures », il va dire bah, « Attends, le plus rapide, c'est de prendre la voiture ». Donc ton bus, il va avoir l'effet inverse de ce que tu as souhaité. C'est-à-dire que plutôt que de réduire la circulation, il va l'augmenter. Après, tu vas me dire dans la réalité, si demain, toi, tu prends le bus et qu'il est coincé dans les bouchons, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre la... Waldo, en attendant que vous écriviez. Rajoute des bus. Ouais, mais c'est pas la solution, parce qu'ils vont être aussi coincés. Donc, pas mal ce petit quartier, là. Par contre, c'est un peu vide. Là, ils prennent la voiture, voilà, merci, exactement. Donc, comment on fait, nous? On va bien emmerder? Ah ouais, mais là... Cata, là. Ouais, les piétons font un point d'imp aussi, mais bon, ça, à la limite, je prends la fuite. Je me barre dans un autre pays. Donc, c'était pas une solution fonctionnelle, mon histoire, là. Hein. Non, mais c'est terrible, en fait. Moi, j'en arrive à des solutions de merde, hein, du coup. Bah, du coup, on va être obligé de faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire qu'on va laisser... Ah, mais du coup, ça sert plus à rien. Et on va laisser ça, et on va faire des contournements de bus, quoi. Hein. Merde. Non, mais j'ai pas le choix, moi. Hein. Faut faire un tram. Bah, ou alors, faut faire un tram. Faut faire un tram maintenant, hein. Les piétons seraient plus rapides, mais les trams seraient utiles. Bah, on va mettre des trams, alors. Ah, mais le problème du tram, c'est que... Si, on peut le faire passer là, cela dit. Si, en plus, le tram, on peut le faire en contresens. Oh, on peut mettre un tram en contresens. Oh, quel plaisir. Ah oui, est-ce qu'on peut faire ça, maintenant? Et du coup, il passera pas... Vas-y, on va mettre un tram. C'est quoi? Ah, mais attends, c'est chiant. Ouais, si, non, mais oui, si. On vient de mettre le bus, on peut mettre le tram directement. Ce serait un aveu d'échec. Un aveu d'échec. Le métro, non, pas le... Mais le métro dans notre ville, ça va être compliqué. Ou alors du métro aérien, mais du métro en souterrain, vu la gueule de la ville. Bon, bah, ouais, mais oui, alors le tram, d'accord, mais... Ils disaient pas que les PNJ étaient plus intelligents. Un aveu d'échec. Oh! T'as quel âge pour avoir fait le jeu de mots, là? Si t'as plus de 50 ans, t'as le droit. Sinon, c'est interdit. Alors, attendez, en attendant, on va quand même... En attendant que je prenne une décision, on va rajouter des ronds-points. Toujours en colère. 30 balais, ok. Et ben... Là, c'est coup dur pour toi. Voilà, je me sens mal parce que je pensais que t'étais plus vieux, du coup. Mais c'est pas grave. Jolie blague, en vrai. Non, j'aurais pu la faire, en vrai. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des routes. Voilà, pour l'instant. On va rajouter des petits quartiers, là. Avec des bâtiments un peu moins hauts, quand même, parce que je me suis un peu emballé tout à l'heure. J'en ai peut-être mis un peu trop en hauteur, voilà. À côté de l'hôpital, alors, on va faire une petite zone de bureau à côté de l'hôpital, tiens, pour plus tard. Ouais, on va garder ça, là, en zone. Parce qu'il faut quand même qu'on zone un peu, hein. Salut, IMH, Fareux. Et là, bon, il n'y a pas beaucoup de demandes non plus, hein. Quelques logements, loyers modérés, mais des petits STP, parce que ça va faire trop gros sinon, voilà. Ah, mais le truc, c'est qu'on a... Ouais, si, le chômage baisse, hein, 16%, dites. Bien, hein. Donc là, on est obligé de mettre le tram, hein. Et je me demande à quel point il serait pas intéressant, d'ailleurs, de faire un tram qui fait tout le tour. Oh, ça commence à être un bordel, là. Je sais pas si ça serait pas intéressant. T'aimes les enfants? Oula, c'est bizarre comme question. Fais des voies 100% pour le bus, du coup. Là, on va mettre du tram, hein, on va remplacer par du tram. Hein. Un prix tram, c'est quoi? Et est-ce que, je me pose une question, est-ce que dans cette zone-là, où c'est pas constructible, est-ce qu'il serait pas intéressant de faire des espèces de parcs? Avec des... Oh là 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 là, des petites zones piétonnes. Et puis des arbres. Parce que comme ça, ça ferait un peu de verdure au milieu, là. Ça ferait peut-être une vue un peu moins dégueulasse sur les... Ça ferait un peu moins bétonné. Parce qu'on a quand même mis pas mal d'arbres pour l'instant. Et comme je sais que vous adorez les arbres, parce que vous êtes des amoureux des arbres, vous... Bah, l'aéroport, on va attendre un peu. L'aéroport, c'est un peu tôt. Je dirais qu'il ne faut pas le voir en échec, mais plutôt qu'il serait un outil pour aller de la ville à la campagne. Si le petit train de banlieue. Ah, le tram! En vrai, on pourrait faire ça aussi, hein. On pourrait faire des tram-trains, hein, techniquement. Mais ils sont un peu lents, les tram-trains, quoi. C'est le problème. Qu'est-ce que vous pensez de mon idée, là? Transformer des zones vides en parc. En zone de parc. Toute cette zone-là, là, on cache avec des arbres.
avec des petites routes, des petits chemins piétons, des petits voilà, des petits trucs sympas. Les gens ils peuvent. Ouais, vous dites oui. Moi je me j'en doutais. Vous êtes des gens sympas. Bien sûr. Petit chemin là, large piéton, sentier pavé. Regarde ça, regarde ça, ça, ça va être bien. Ça va être bien. Regarde, regarde, regarde. Hop là. Alors pour en anarchie. Oui, alors, par contre ça risque des pentes un peu raides. Hein. Voilà. Oui, faudra avoir des bonnes gambettes. Un cache-misère facile à faire. Et c'est exactement l'idée. Bon, tu vas falloir quand même. Putain, merde, il faut déjà qu'on arrive à démarrer la route. Oui, parce que du coup, tout est déjà. Oui. Ah, d'ici là. Je pense qu'on peut y arriver d'ici. Voilà. Alors, petit chemin comme ça, là, de traverse. Ah, wow. Là, j'allais avoir une autre idée, là. Non, mais attends, je vais profiter de mon mode. Hein, parce qu'il est quand même bien, même s'il fait des bugs. Attends, est-ce qu'on peut faire ça? Donc, ça, c'est un chemin piéton. Du coup, c'est. Ah, mais il peut marcher que dans un sens? C'est complètement con. Eh, quoi? C'est pas la même chose, là? Attends. J'ai branlé. J'ai dupliqué ça? Ah. Oh! Tiens, et attends. Ça, c'est quoi, le truc sur les côtés, là? Ne pas avoir de voix sur le comment s'entraîner peut entraîner un résultat inattendu. Ok. Et si je... chaussée piétonne. Ah, mais j'avais déjà. Oh non, je voulais mettre des... Je comprends toujours pas l'intérêt des poteaux. Je voulais mettre des... Fuck. J'aurais voulu mettre des arbres. Salut SCH, comment il va? Steve, c'est quoi le mode pour les zones agricoles? Pour faire des grandes zones agricoles, tu veux dire? Les modes anarchie. Attends, mais c'est-à-dire que les routes piétonnes de base, elles sont que dans un sens? Vous les vendez con? J'en fais voir. J'avais déjà fait une... C'est ça, là? Large... Attends, comment je l'ai appelé, du coup? Comment elle s'appelle? Juste, on va mettre pavé sentier. Merde. Sentier. Putain, mais. Je vais écrire sentier. Sentier double sens. Mais attends, il n'y a pas de sentier double sens de base? Bah, c'est un peu con. Ah, pardon, hein. J'ai envie de critiquer. Donc là, c'est. Sentier double sens. Est-ce que je peux faire ça, du coup, là? C'est-à-dire que les gens, ils peuvent aller que dans un sens sur les chantiers? Sur les sentiers, pardon? Ah, oula! 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 Oui, alors ça a pas l'air de marcher. Oula! Oula! Elle est buggée là, je crois. Marche pas! Oui, alors pourquoi ça marche pas? Je pense que les bétons ignorent le sens. Ah, peut-être! Bah, du coup, ça sert à rien ma route. Bon, bah, tant pis. Oui, pour avoir l'industrie agricole comme toi. Il faut. Ah, oh putain! C'est quoi le nom du mode? La bonne question là. Oui, je sais pas. Comme ça, les gens, alors, c'est quoi, on va faire une grande année comme ça. Voilà, alors, faut essayer de connecter un endroit. Oh, putain, j'ai réussi à connecter, let's go. Et on va faire des endroits, des petits comme ça, là. Oh, putain, bah oui, mais du 27%, là. Ah, ça passe. Moi, j'aurais jamais dit. Let's go. Comme ça, les gens, ils vont pouvoir traverser à pied la ville. Ils sont pas obligés de prendre l'automobile ou les transports en co. Bon, ça fait des petites montées un peu vénères, par contre, hein, faudra s'accrocher. Bon, ça détruit des bâtiments aussi, au passage, mais ça, c'est pas grave. Voilà, nickel. Et maintenant, on rajoute des arbres. Qu'est-ce qu'on met comme arbre? Je pense que les piétons ils dans le sens, effectivement. On va voir, mais à mon avis, oui. Et on va mettre quoi? On met des épicéas et des pins, parce que c'est ce qu'on a globalement dans la ville, hein. Épicéas, pins. Tac. On peut mettre en mode anarchiste, sinon ça va foutre le bordel. Quelques épicéas. Attends, mais moi j'en ai un peu moins quand même, parce que voilà. Tac, en mode petit parc là. Des pins. Voilà. On va mettre des chaînes aussi avec les pains et les épicéas, ça passe, je pense, non? Qu'est-ce qu'ils en pensent? On n'est pas obligé de mettre que des. Hein, que des chaînes pour une ville remplie de glands. Voilà, des chaînes avec. Ouais, c'est une petite forêt au milieu là, c'est bien, ça fait de la végétation. Ça c'est top quand il fait chaud, hein. Quand il fait chaud, les villes où il fait très chaud d'ailleurs, où il fait le moins chaud, c'est les villes les plus vertes, hein. Bon, les villes au bord de la mer aussi, mais. Mais je sais plus quelle ville au Chili, c'est pas ça là, j'ai vu un truc passer. Les mecs, ils ont réussi à gagner je sais pas combien de degrés de température, enfin 2, ce qui est quand même beaucoup l'année, hein, juste en végétalisant. Voilà. Là, ça végétalise. Et là, ça fait un petit parc pour les gens, quoi. On peut même rajouter des vents. Oh, il y a un immeuble en feu. Au cachot. Quoi, au cachot? Mais des arbres? Attends, pour une fois, je plante des arbres, vous allez pas m'engueuler? D'habitude, quand j'en les enlève, vous m'engueulez, là. Vachement bien, regarde ça, je te rajoute des arbres, là. Voilà. Oh putain, on peut mettre plein, hein. Attends. On va mettre un peu des arbres partout, là.
Voilà, superbe. Je sais pas pourquoi je prends l'action du sud. Quand je plante des arbres, je prends l'action du sud, mais je le contrôle pas, il vient tout seul. Mais ça fait joli, non? C'est vilain? Bah non, c'est pas vilain, ça cache la falaise dégueulasse. Regarde ça, ça fait une petite zone de parc, ça fait un poumon de la ville au milieu. Attends, tu rigoles? Attends, tu rigoles? Non mais attends, tu rigoles? Et tout prouvé que pour baisser la température du centre-ville, il faut revisualiser et créer de l'ombre naturelle. Exactement. C'est exactement ce que je disais, merci. J'aime bien, merci Exilia. Excelia, pardon, bienvenue à toi. Oh, ça me donne soif de parler. C'est très beau, n'écoute pas les critiques. Non mais après, vous avez le droit d'avoir des critiques constructives, hein. Vous avez le droit de dire oui, j'aurais mis... voilà, j'aurais mis des terrains, par exemple, ça c'est une bonne idée, par exemple, des petits terrains au milieu. Genre des petits terrains de tennis. Ah oui, mais on peut pas les connecter, putain. Alors attends. On aurait dû faire une vraie route piétonne, en fait. Eh oui, c'est pas con, des petits parcs pour enfants. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée, vous voyez? Tu vois, j'écoute la critique. Donc, effectivement, sauf que maintenant que j'ai mis des routes comme ça, faut que je change tout, quoi. Putain. Bon, bah alors, attendez. C'est une très bonne idée. Vous pourriez avoir les idées avant que je construise, mais c'est pas grave. Salut, Smax, comment ça va? C'est un bon week-end? Qui a passé un bon week-end ici, là? Qu'est-ce qu'ils ont fait ce week-end, d'ailleurs, là? Bon, à la mer, pardon. Barcelone, c'est très, très arboré, il fait pas si chaud en ressenti. Ah ouais? Et moi, je me sens avoir eu très très chaud à Barcelone. Mais après, j'étais au circuit de Barcelone. Et c'était horrible. Salut, tu réponds? Bah ouais. J'ai fait un scanner RM. Ok, bon week-end. Ça va bientôt. La reprise du taf. Coup dur. Petit réduit de faire un barrage. Alors, je vous ai pas attendu en fait. Enfin, si, je vous ai attendu parce qu'on l'a fait en live. Mais il y en a déjà un barrage. C'est un tout petit, hein. Mais en vrai, il est hyper important. Parce qu'il permet d'éviter à la rivière de déborder. J'ai fait l'équitation après 15 ans d'arrêt. Ouh la vache! Il est pas trop dur, la reprise? Alors attendez, on va essayer de mettre une route piétonne. Petite route piétonne, est-ce qu'on peut mettre des habitations dessus? Enfin, ou des parcs? Voilà. Ah bah oui, nickel! Oula, je sais pas pourquoi je criais. Ok, donc on va reprendre ça. Donc on était parti d'ici. Ah merde, j'ai laissé un bout. Tac. Partons d'ici. Voilà, bon, ça va encore détruire les immeubles, mais c'est pas grave. Les immeubles, c'est du béton. Hop, j'ai beaucoup trop d'infos à l'écran là. Pourquoi il y a autant de trucs? Unité 8, 88, 118. C'est quoi ce bordel? Là, il est pas ça, hein? Pourquoi pendre trop raide? Oh, mais ils me font chier. Voilà. Oups. J'ai détruit un quartier entier. Ça pour une route piétonne. Et oui, pente raide, mais je sais qu'elle est raide. Mais les piétons, ils peuvent. C'est pas des voitures, les piétons, ils peuvent marcher en fait. Pas grave. Et je vois pas où est la route là. Allez là. Hop, ah ça va être bien là, on va mettre des petits parcs et tout, ça va être sympa. Ah ça va être trop délire pour les bambins. Désolé, c'est le mot bambin qui me fait. Voilà, hop les... Tac, nickel ça. C'était un peu un clin d'œil pour les barrages ratés. Oh ça, oui j'avais compris, t'inquiète. Un peu compliqué mais c'est le temps de se remettre en selle, oui. Oh, de se remettre en selle. Ça va leur faire du sport, exactement. Ça leur permettra de perdre le gras qu'ils ont au cul. Pardon. Je me suis un peu emporté. Là, c'est plus vilain, ça commence à ressembler à quelque chose. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Comme mon physique. Alors, skatepark. Ouais, mais alors, le truc, c'est que... Oui, alors oui, non, mais oui, mais c'est pas mis comme je voulais, le skatepark, là. Enfin, il faut les mettre dans des zones plates. Il n'y en a aucune. Ça va être simple. Allez, on pourrait même mettre des petites places. Bon. Où est-ce qu'on peut mettre des trucs de sport là? Ça va être chiant, hein. Dans un petit terrain de basket là, au milieu des arbres. C'est plaisir, non? Y a des basketteurs dans la salle là? Dans la salle. Dans l'assemblée, je veux dire. Il y a deux petits terrains de basket là pour les bambins. Putain, mais le mot bambin. Hein. Ça t'a vraiment frisé cette histoire de rond-point et en roue libre. Ouais, bah. D'ailleurs, tu sais quoi? J'en ai rien à foutre, je mets les ronds-points piétons. Qu'est-ce que tu vas faire? Quoi, je peux pas en mettre? Nique ta race. Eh, hey, ça marche vachement bien, regardez mon cœur. Mais tu vois, les gens, ils ont besoin d'un peu de végétation, hein. Tu peux faire une grande plateforme avec des parcs, etc. Ah ouais, je savais qu'il y avait des skateurs. Des basketteurs. On est un terrain de foot, on est quand même champion du monde. Ah bon? De quel monde? Salle de sport en plein air. Ouais, ça me dégoûte un peu. Le terrain de foot, non, il n'y aura pas la place. Non, on peut mettre des petits skateparks, là. Non, mais ici, il y a zéro place. Ah mais ça fait moche du coup là. Oh, puis ça m'enlève les arbres en plus. Où est-ce qu'on peut foutre les skateparks? On n'a pas un endroit. Ah là c'est à peu près plat là. Là c'est à peu près plat.
Ouais. Il vient vite, hein. Si, ça va. Ouais, bof. Ouais. Bof. Ah, mieux, là. Là, c'est mieux. Là, ça me va. Skatepark. Petite zone de parc, mais des tout petits parcs. On a des tout petits parcs comme ça, là. Ouais, mais bien sûr, ils vont s'enfoncer dans la terre, c'est con, là. Voilà, des petits, tout petits parcs comme ça. Rien du tout. Ce que dalle. Hop. Oula. Des petits terrains de jeu pour les gosses. Bah, ça, c'est pour les bambins, ça. J'adore placer le mot bambin, putain. Combien de fois je l'ai dit à peu près ? Un petit parc de détente avec des bancs à barbecue dans le coin pour les grillades en famille. Ah, et pour foutre le feu à la forêt ? Je les vois venir, les mecs, hein. Non, mais c'est pas bête, tu as dit. Petit parc pour chiens ! Putain, mais oui, exactement, pour ceux qui veulent promener leur bambin chien. Après, c'est des gros parcs, je pense. Ouais. Là, c'est pas mal. 124 ou 126 ? Pas mal, ça devient beau. Voilà, attends, je vais re-rajouter des arbres par-dessus. Parce que du coup, il y en a qui se sont enlevés. Alors attends, on va remettre. Oh putain, j'ai mis mon anarchie. Oups, bah quoi qu'il y ait des arbres au moins. Hein. Ouais, peut-être un peu trop. Ah, il n'y a plus d'arbres là. Ça me tue. Je me tue ce soir. Je me tue de rire. Voilà, on rajoute des arbres. On va rajouter des petits pins en plus. Voilà, ça va me faire une belle zone bien arborée. Voilà, c'est top. Il y a un monument dans la ville, Stitter. Il y a un monument dans la ville, Stitter. C'est une question ou c'est une affirmation, je sais pas. Là par contre ça nous a créé. Est-ce que du coup c'est. Oula c'est fréquentable mais alors dis donc faut avoir des bonnes. Eh c'est pas mal hein. Tu vois là. Attends, on va se mettre en vue intérieure. Eh c'est bien hein. Ah ouais j'ai envie de me balader là moi tu sais quoi. Ouais. Ah c'est une question. Oui il y a des monuments, oui il y a la cathédrale. Ouais ouais. Bon c'est... ça fait un peu du dénivelé de merde. Mais il y a des petits parcs un peu bizarres. Ah mais il y a des bancs. Il y a même déjà des SDF, c'est top. On vient de le construire. Ah ouais, c'est cool. Mais il se fait tout le temps froid dans cette ville. Eh, ça fait envie en vrai. T'as pas l'impression d'être dans une ville là, hein. Regarde ça. Ah ouais, ouais, bien. Ça c'est bien, hein. Petit parc que pour M1. Voilà, tu viens jouer avec les gosses le samedi après-midi. Bon là, il y a moins le côté verdure parce qu'il y a du gros béton, mais bon, tant pis. Non, c'est bien. Regardez-moi ça. Une ville sans trottinette, c'est cool. Faudrait mettre une buvette en haut et de l'entrée pour boire un coup après l'effort. Ah, il faudrait mettre des petits kiosques. En vrai, c'est faisable, des petits kiosques. Attends, bouge pas. Non, mais moi, j'en mets, hein. Attends, moi, il n'y a pas... Vous me demandez, je vous fais tout ce que vous voulez, moi. Regarde ça. Tac, petit kiosque. Oula. Okay, ouais. Petit kiosque, là, en bordure de... Bon, alors, dessus, il est pas très beau. Petit kiosque à journaux, pour ceux qui veulent se poser dans un banc. Là, tu veux boire une petite boisson? Moi, je te mets un kiosque, moi, j'en ai rien à foutre. Hop là, petit kiosque au début. Petit kiosque en haut. Non, on peut pas, là. Des poubelles. Non, les gens, ils sont pas sales dans ma ville. Bah c'est nordique, hein, ils jettent rien par terre, hein, crois-moi. Hein. Là, pareil, petit kiosque là à côté, là. Tu veux faire une petite pause, un petit... Non, mais ton aléatoire, c'est bien, très bien. Je vais t'acheter un petit truc de saucisse après l'effort. Hop, il pareil ici, là, voilà, hop, petit kiosque. Oh, c'est top, il a lui. Richesse pauvre. Oui, bah... Travail. Voilà. Et c'est beau, en vrai, c'est pas mal, hein. J'aime bien ces petites zones. En vrai, on a essayé d'en faire plus. Je pense qu'il y a des endroits, de toute façon, on pourra pas vraiment construire du fait du dénivelé. Donc, on sera obligé de mettre des zones d'arbres comme ça. Hein. Par contre, je crois que j'ai mis des arbres dans le bâtiment, là, non ? Non, ils y étaient peut-être déjà. Ou là, non. Je sais pas. Une fontaine ? Ah, vous voulez une fontaine ? Vous voulez toujours des fontaines. Vous avez un truc avec les fontaines. De toute façon, vous aimez que quelques trucs. Oh, il y a des belles fontaines, cela dit. Oh, merde. Vous aimez les circuits de F1. Fontaines du chien. Ah, du parc de chien. Les circuits de F1, les bases militaires et les fontaines. Vous voulez des fontaines random comme ça. Allez. On fout, moi. Food truck, bah food truck, je sais pas s'il y a trop de parcs food truck. Les bus, oui vous aimez bien les bus aussi. Oh, mais tu sais qu'on pourrait faire passer du tram là. Ah, ce serait fou. Imagine le tram qui passe au milieu là. Oh, ce serait fou, non. Ça servirait à rien, mais ce serait fou. Ouais. Le chômage à 11%. Oui, ah ouais, ah ouais, 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 ouais. On a moins de chômage que l'Afrique du Sud, let's go. Bon, alors le tram. Parce que c'est bien beau de faire le con avec les bus là. Oh bah y a plus de bouchons d'ailleurs, tiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Les lignes de bus là. Putain, les lignes de bus ça marche bien quand même. Hein. Les lignes de bus elles marchent bien. Hein. Ah ouais. Mais alors, par contre, il y a des endroits, je sais pas comment on va la faire passer ma ligne de bus là.
Donc il faut qu'on mette du tram selon, selon les grands génies que vous êtes. Donc le tram c'est bien, ouais. Mais en vrai moi je commencerai par la ligne rouge. Parce que c'est celle qui touche le plus de monde quand même. Après elle marche déjà pas mal, donc est-ce que ça vaut le coup? Je suis sûr de passer le tram dans les zones de parc et ils sont plein à craquer. Ah ouais? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent le tram pour aller dans une zone, on va dire, végétalisée. Ouais, après ça se tient. Ah ouais, 87% le premier. Non mais il est bien utilisé, mais les trams marchent bien. 84, 61, le train. Bon, le train. Pour le reste, on l'a pas, mais... Même celui-là, il marche bien. Celui-là, c'est un bus, c'est un car scolaire, ça. Hein. Enfin, c'est un car scolaire, non, c'est un car tout court. Là, c'est cette ligne-là, elle va d'ici jusqu'à là. Pour desservir la zone agricole, quoi. Mais en vrai, on devrait faire une petite ligne de car qui dessert ici aussi, je pense. Hein. Non, vous pensez pas, là? Petite ligne de car, mais on met deux cars, hein. Matin, soir, terminé. Regarde, attends. T'arrêtes de bus ici. Allez, hop, regarde. Hop, il passe là. Alors, par contre, je sais pas où le faire passer. C'est quoi le plus rapide pour aller là-bas? Et on voit pas, en fait. Je sais pas qui est le plus rapide pour aller ici. Il est passé où, là? Je sais pas où il nous fait passer. Ah, le truc, c'est qu'on va faire passer beaucoup de bus au même endroit, là. Et il nous fait passer par là, donc. Après, si les personnes attendent 800 minutes le bus, c'est normal qu'ils sont toujours au chômage. Tu vas bien te calmer, mais en même temps, t'as raison. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça. Vas-y, on va faire ça. Petite ligne de bus qui va jusque dans la zone agricole. Voilà, peut-être ça aidera des gens, hein, on sait pas. Alors, par contre, attends, parce qu'il va me mettre... Donc, faut qu'on mette du vert. Il va me mettre 14 bus encore, là. Ah oui, mais moi je veux pas autant de bus, 6 c'est trop. Aurais-tu une date pour refaire du Crusader King? Oui, c'est vrai que toi t'étais là. Tu nous as sauvés, toi, c'est vrai. Crusader King, alors j'ai pas de date précise, mais je pense que ça va arriver mi-septembre. Donc dans un petit mois, parce que il y a le DLC qui sort le 23 ou 24. Attends, je sais plus la date exacte. Et je pense qu'avec Paradox, on va s'arranger pour qu'on l'ait un peu en avance. Crusader King 3. Que tu étais là, Hachou. Comic... Ah, ils ont sorti un DLC? Ah non, ils ont sorti quoi? Comic Book, c'est quoi ça? Ah, j'ai pas vu. Il sort quand le DLC? Legacy of Persia, non, ça je l'ai pas. Bah, y a plus de date? 21 novembre, non mais c'est quoi la date? Road to Power, c'est ça. Le 24 septembre, c'est ça. Le même jour que Frostpunk. Putain, ils font chier. Hein. Oh, ça a l'air cool en plus, ce DLC-là. Donc, je pense qu'on l'aura un peu en amont. Oh, ça a l'air cool en vrai. Oh, j'ai hâte. Donc, j'espère que je saurai encore jouer, mais a priori, mi-septembre, on joue à Crusader King, quoi. Quitte à ce qu'on se remette un peu, en avance pour voir un peu ce que change le DLC. J'ai mis en pause, pardon. Et moi, faut que je me bouche. Après, la question, c'est est-ce qu'on le fait en matinale ou pas? Ça, je sais pas. Par contre. Ça, j'avoue, je saurais pas dire. Est-ce qu'on le fait en matinale ou est-ce qu'on le fait en soirée? Dans tous les cas, il y aura les rediffs. Mais est-ce qu'on le tente en matinale Crusader King? J'ai peur que ce soit un peu trop chiant pour une matinale. Et en même temps, je trouve que les matinales un peu plus calmes qu'en soirée, enfin des jeux un peu plus calmes, ça peut être sympa. Bah, les deux, peut-être pas, mais en matinale, ça peut être bien. Bon, bref, le tram, alors. Donc, il faut qu'on prenne le tracé du tram. Parce que... Après, est-ce que ça vaut le coup de mettre un tram, là? Ouais, ça vaut le coup, hein. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est attendre qu'on ait un peu plus de... qu'on ait un peu plus colonisé ici. C'est pas vraiment le terme, mais... Avant de mettre le tram. Parce que le truc, c'est que là, on n'a pas d'arrêt, du coup. Dans le bouchon, il va jusque là, là. Ouais. Donc, d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer... On va commencer de construire un peu dans cette zone, là. Ouais, on va construire un peu là, parce que là, c'est plutôt plein, je trouve. Non, pas du tout. Mais c'est à peu près plat. Qu'est-ce qu'on va faire comme zone d'habitation, là? On va continuer cette zone un peu comme ça, là. J'aime bien les bâtiments européens comme ça, là. Je trouve que ça fait un joli petit délire. Avec des petites routes... Est-ce qu'on va pas des petites routes un peu en sens unique? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Attends, c'est quoi la différence entre celle-là et celle-là? La même, mais elle est plus petite. Donc ça me va. Non, on va mettre la grosse. Ouais. On va mettre celle-là. Et donc, on pourrait mettre des petites routes à sens unique
voilà, qui longe ici comme ça. Hop, qui arrive ici. Voilà, petite ressource unique. Descend. Au milieu, on va mettre des petites allées. On va mettre quelques maisons quand même. Des petites allées cul-de-sac. Parce que pourquoi pas. Voilà. Hop, petit quartier ici. Avec des, quand même des petites boutiques. Parce que c'est quand même important dans les petites zones comme ça de mettre des petites boutiques. Voilà. Comme ça, petit à petit, on se rapproche du bas. Et plus on se rapproche du bas, plus le tram aura un intérêt grandissant, je dirais. Et on peut mettre aussi quelques maisons hein, en plus. Voilà, je sais pas, déconnant. Et on va faire une route qui monte pour le coup. Et qui monte très doux. En sens unique, mais dans l'autre sens. Ou dans ce sens-là. Parce que là, on a une route qui descend. On veut du 6h24. En nocturne ? Non, mais en nocturne, non. Après, sachez que. Alors, le truc, c'est que. Je sais pas ce que. On va commencer d'en parler, mais je pense que d'ici un gros mois, on va faire un sebaton. Je pense fin septembre, on va faire un sebaton des 2 ans de la chaîne. J'espère qu'on fêtera au passage les 20 000 follow. Alors, bon, pour l'instant, c'est. C'est pas trop, on verra. Mais je sais pas quel jeu on va faire, quoi. Salut Benjamin, comment il va ? Parce qu'on doit fêter quand même les 2 ans de la chaîne. On n'a pas fêté déjà le partenariat, il y a plus d'un an, j'ai complètement oublié. Pas grave. Faut qu'on fête un moment le. Oui, faut qu'on fête les 2 ans, voilà, on doit faire ça. Alors, l'année dernière, on avait fait un live de 26h30 sans dormir. Bon, en fonction de combien de temps ça dure, ça l'est, peut-être je dormirai, on verra. Mais voilà, un petit sebaton, ça pourrait être sympa. Après, c'est quel jeu on fait. C'est ça qui est un peu plus touchy, quoi. Ça, c'est un peu plus galère. Avec le décalage, ça m'arrange les nocturnes. Mike, tu m'étonnes. Bienvenue à tous ceux qui l'ont rejoint, bien sûr, que ce soit au TikTok ou TikTok. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Donc, je sais pas, il faudra qu'on voit. Marathon de jeu. Ouais, mais marathon de jeu, le truc, c'est qu'il faut trouver des jeux qui sont. Comment dire. En fait, l'année dernière, j'avais fait une erreur, par exemple. L'année dernière, j'avais fait la connerie de faire du Microsoft Flight au réveil. Enfin, au petit matin, c'était con. C'était bête. Parce que c'était vraiment. Pire idée, c'est vraiment soporifique, ça m'a endormi. On pourrait te voir jouer à un FPS de ton choix. Ouais, mais bon, est-ce que FPS. Ouais, mais le truc, c'est qu'il faut faire aussi des jeux qui correspondent à la chaîne, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, Eurotruck, ouais. Eurotruck, ouais. City Skies, évidemment. Salut, Lissandre, comment il va ? Il va pas pire, Citer, il sort d'une très grosse game modée sur Emergence 5 avec un mode qui permet à un joueur extérieur de dispatch les unités des joueurs en jeu. Le dispatcher peut envoyer des unités pour les joueurs en jeu. Oh, c'est pas marrant. Ah ouais, Anno, ouais. Planet Coaster. Ah mais le truc c'est que, en fait, le truc, Sauvette République, putain, ouais, ça fait tellement longtemps qu'on doit y jouer, et je l'ai en plus. Hein. Le truc de faire des sebatons de jeux de stratégie et de construction, c'est que, comment vous dire, c'est crevant, quoi. Je dis pas que jouer à un FPS pendant 8 heures, c'est pas fatigant. Hein. Attention, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais le truc, c'est que jouer à City Skylines ou à des jeux comme ça pendant 24 heures, c'est vrai que pour le coup, c'est pas la même fatigue que sur d'autres jeux. Mais c'est qu'en fait, c'est une fatigue où t'es tout le temps en train d'essayer de créer. C'est pour ça qu'on fait pas des lives pas très longs sur City Skylines et tout, parce que c'est quand même des jeux qui prennent beaucoup d'énergie, avec beaucoup de réflexion. Non, Minecraft, j'aime pas. Minecraft, j'aime pas trop, j'avoue. Donc, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée que des City Builders. Alors, après, Euro Truck, c'est vrai que c'est un peu plus relax déjà. Faut être honnête. Faut voir. On verra. On verra en fonction des sorties. Après, il y a Frostpunk qui sort en même moment. Il y aura Crusader King, mais pareil, du Crusader King pendant 24 heures. Enfin, pendant 2 ou 3 heures. Ah bon, on va faire plusieurs jeux comme l'année dernière. Hein. Ouais, Planet Coaster, bientôt le 2, mais il sort pas avant. On n'a pas de date. Il faut voir. Mais même, tu vois, le truc, c'est qu'Euro Truck sur une longue distance, c'est quand même aussi un peu soporifique, hein, pardon, mais. J'adore Euro Truck, hein, mais malgré tout, on fait ça pendant. Faut pas oublier que c'est. Faut que je tienne longtemps, moi. Donc, faut que je réfléchisse à ça. À Florius depuis. Ouais, on fera plusieurs jeux. En plus, le truc, c'est de faire plusieurs jeux, comme ça correspond. On va faire les jeux qui ont le mieux marché sur la chaîne aussi. Comme ça, ça convient un peu à tout le monde aussi, tu vois. Parce que tu vois, on pourrait faire du Crusader King, on pourrait faire du Planet Coaster, on pourrait faire du City Skies, on pourrait faire du Microsoft Flight, mais bon, Microsoft Flight, c'est un peu chiant quand même. C'est chill et longue distance, et ça permet de blabla et de voir le beau paysage. Ouais. Partagé. Mais je suis un peu d'accord, mais en même temps. Bon, faut voir. On verra.
Donc j'ai fait, alors pendant que je parlais quand même, j'ai quand même avancé parce qu'on a quand même un gros quartier qui se construit là, en contrebas de tous ces buildings là. Ouais, c'est vraiment une zone ici où il y a beaucoup de tours, de moyennes tours, là on est toujours du 5, 6, 7 étages. Et là on a beaucoup de maisons, et c'est pas mal ce coin là, je trouve vraiment bien. Hein. Toute cette partie là, je la trouve très stylée. D'ailleurs on pourrait même rajouter du zoning ici. Hein. Du zoning, à force de mettre du zoning, on va avoir encore du chômage comme un con là. Parce que en vrai, j'aime bien ces zones là. Je les trouve plutôt jolies. Bon, le terraforming est dégueulasse, mais... Euro Truck pour la pause, mais bon, faut pas s'endormir. Ouais. Le plus long trajet que j'ai fait sur Euro Truck, 4896 km en version à éviter d'autoroute, j'ai profité des paysages. Ah bah bien sûr. Ah putain, les écoles. Oh là là. Oh le chômage. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Chier. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va faire? Et les gens sont heureux dans cette ville en fait? Ah, ils sont pas heureux de la circulation, mais ça on s'en serait douté ça. École. Merde, il faut une école. École primaire. Oh, j'ai oublié les écoles. C'est-à-dire, ce que tu pourrais essayer, c'est le nouveau concurrent des Sims. Mais oui, je l'ai essayé, Inzo, on y a joué. On y a joué. On y a joué. Bien sûr, après, pour l'instant, on peut juste créer le mode créateur. Hein. Ça mélange. Oh, oui, je connais. Mais Inzoï, moi j'attends qu'il sorte. Hein. Je veux y jouer. Hein. J'adore déjà ce jeu. La route en bas qui sera celle du haut qui va à gauche et donc les gens devront faire le tour et ça va faire les bouchons. Hein? Quelle route? Attends, j'ai pas suivi. Il faut des pompiers. Effectivement, ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Oh la vache, oui. Oh, ouais, j'en ai pas mis beaucoup. Ouais. Il y a une caserne de pompiers pour l'instant, pour toute la ville. C'est pour ça qu'il y a des incendies. Ah, non maîtrisé, je veux dire. Ah, c'est vrai que j'ai mis zéro pompelard. Oh, bah écoute, hein. Faudrait qu'on fasse une zone... Ouais. Faudrait qu'on fasse une zone... Je pense qu'à côté, là... Faudrait qu'on fasse une zone de pompiers... intervention, un peu, quoi. Je pense à les améliorer. Non, je les améliore pas, moi. Je m'en tape. Ouais, les améliorer... Non, mais c'est là, ils sont pas améliorables, ceux-là. Bah quoi? Pas connecté à la route, là? Ah bah apparemment non. Bon, c'est cette histoire. Comment ça? Ah parce que c'est en... Bah oui, parce que c'est... on est sur des pentes de merde. Voilà. Faudrait qu'on fasse une zone de dépôt d'hélicoptères, de dépôt de machin, parce qu'on a quoi d'autre après là? Ah, et la police aussi, j'ai mis zéro flic. Oh, complètement oublié. Comme quoi, y a pas besoin de police, hein. Enfin, mettre un commissariat par là, tiens. Dans la zone ici. Voilà. Et puis on pourrait même en rajouter un petit par là. Voilà, un petit comico. Il y a les persos qui disent il n'est pas comparable aussi s'il a plus de réalité. Les Sims sont plus un style cartoon. Oui. C'est vrai. Je vais faire des petites villes, villages au bord de la rivière. Ouais, mais un peu plus tard on pourra. Ouais. Enfin, on peut déjà, mais on le fera après. Ouais, donc il y a des maxi bouchons. Ah, mais. Ah putain, il y a de nouveau des problèmes là. Et je peux plus les gérer. Qu'est-ce qu'ils font les bus là? Oh là là, putain. Et là, j'ai plus accès maintenant. Ah oh, c'est chiant ça. Ah ouais, tous les bus ils sont. Ouais, faut vraiment qu'on remplace par du tram. Hein. Salut Alphacite, comment ça va? Je vise combien d'habitants? Je vise pas spécialement d'habitants, moi. On voit. Déjà 55 000, c'est pas mal. Ça grandit bien. Hein. Ah cette zone-là, je la trouve vraiment cool hein, avec les armes là. Ok. Je repousse encore le moment du bus et il faut que j'en rajoute encore des collèges et des lycées. Mais si j'en ai déjà beaucoup, quoi. Faut qu'on en mette dans cette zone. Hein. Petite école primaire. C'est combien d'étudiants? 500. Voilà. Et puis petit lycée urbain. On peut améliorer. Sûr. Par deux. T'inspires de quelle ville? Ocul, plutôt des villes françaises, plutôt nordiques, là, on va dire. Quoique un peu montagneuses. Non, je sais pas trop, là. L'inspiration, elle vient un peu sur le moment, pour le coup, là. Ça change un peu. Université, on n'a pas du tout assez de place encore. Il faudrait qu'on fasse une zone université, mais on va être obligé de la faire en bas, parce que là, les bâtiments sont trop gros, vu le dénivelé. Quoi qu'on a des petites universités, mais même des petites... Ah si, quoi, je peux en mettre une petite ici, tiens. Hop, let's go. Ouais, let's go. Mieux que tes bus, visiblement. Oh, Je vous rappelle, la critique est facile, mais l'art est difficile. J'ai fait zéro parc en bas, je suis une conne. Là, non. Oh,
petit parc. Oh, attends. Attends, j'ai une idée. Tain, j'ai trop d'idées aujourd'hui, c'est fou. Faut que j'arrête de. C'est le sport, ça me donne trop d'idées. Quoi, toi? Eh, voilà, ça c'est pas mal. Ah, dommage, ça fait un truc dégueulasse là. Ça, c'est moche. Bon. Voilà. Hop. Merde. Voilà, et comme ça, là. Voilà. Pas mal. Comme ça, tu passes à travers le parc pour aller dans la zone ici. Ça, c'est bien, ça. C'est vrai qu'on ne pense pas à utiliser le parc. Ça, c'est un truc, en fait, j'ai pas encore le réflexe. Parce que dans Cities Skylines, on pouvait pas faire ça. Les bâtiments, ils marchaient pas comme ça. C'est-à-dire qu'un bâtiment, il était fixe. Tu pouvais pas faire de zone de... Tu pouvais pas connecter ce bâtiment-là. Tu pouvais pas faire ça, ce que je viens de faire. Et c'est vrai que j'y pense pas trop à le faire dans le 2, alors que c'est vraiment un outil très puissant et très intéressant. Alors là, on pourrait mettre un petit parc aussi. Oula. Bon, le terraforming, pas ça là. Hein. Peut-être le mettre plutôt là. Des cimetières, ouais, des cimetières, je pourrais en faire, ouais. Et on peut rajouter des arbres, effectivement. Dans la zone ici. Peut-être pas au milieu des trains. Je sais pas s'il y a des arbres au milieu des trains, je me rends pas bien compte. C'est dangereux ou pas? Les cimetières, est-ce qu'on a mis des cimetières déjà? Je sais même plus. D'ailleurs, tout ce qui est hôpitaux, ça se passe bien. Bon, ils disent rien, c'est quoi? Crématorium. Ah oui, dis donc, mortalité 250 par mois, capacité de traitement 0. Ah oui. Un cimetière. Ah si, il y en a un cimetière en plus, il est là. Bon, après, il est sur une zone piétonne, mais si, si, il y en a un cimetière. Il y a un joli petit cimetière, tout mignon. Attends, attends, cimetière, cimetière, qu'est-ce qu'on a comme cimetière? Old Cemetery. On pourrait pas mettre un vieux cimetière là? Ah, ça fait peut-être bizarre. Un train qui dérabe, arbre ou pas arbre. Ouais, c'est pas faux ça. Ça, c'est bien dit. Un petit cimetière. Putain. Bon, le terraforming, faudra pas regarder. Petit cimetière ici. Il y a deux véhicules en service, on va pas aller loin que ça. Mausoléum, crématorium, cimetière. On va mettre un petit truc comme ça là. Ouais, ça va pas nous faire beaucoup de. Ça prend le train de piéton, mais ça avait plus bouchon car beaucoup plus intéressant là où les grilles trop larges sont moins accessibles à pied et plus en voiture. Pas de quoi j'ai raté votre discussion. Ok, 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 bien, bien. Putain, j'adore cette ville. Hein. Vous aimez bien cette ville ou pas? Là, on pourrait y construire aussi. Hein. Moi, je kiffe trop cette ville. Je sais pas pourquoi, elle a un petit truc sympa. Là, en vrai, c'est pas mal construit. Est-ce qu'on ferait pas des zones avec moins de. J'aimerais bien construire un peu là. Attendez. Là où c'est vert. Ça va faire un bordel de construction, mais bon. Alors attends, déjà là, on pourrait reconnecter ça là. On pourrait mettre une zone de bureau. Elle est sympa de loin quand on voit pas les problèmes. Oui, ça c'est vrai ça. Oui, bah écoute, hein, c'est la vie. Hein, si tu veux. Elle est sympa tant que tu vis pas, quoi. Oh, la circulation est un peu un enfer. Hein. Ouais. Un cimetière proche des champs, ça aurait fait un peu d'engrais. Oh non. Oh, tout de suite. Vous êtes... Oh, c'est mesquin. Mais depuis quand j'ai ça d'affiché, là? Depuis quand j'ai unité plutôt que... J'ai activé quoi comme mode, moi? Je sais même pas. Je sais pas si on va bien pouvoir construire, là. Petit cul-de-sac, oula. J'aurais pu mettre des allées, en fait, hein. J'aurais pu mettre carrément des allées, là. Mais pourquoi les voitures, elles viennent là? Y'a rien de construit encore, cassez-vous. Je vous emmerde pas, moi. Ouais, ça va construire un petit peu en dénivelé, là. Hein. Un petit quartier, un petit lotissement, là. Un petit lotissement, hop, petite maison. Oula. Eh oui, c'est bien ce que je pensais, oui. Et oui, bah oui. Et c'est trop longtemps, t'inquiète. Est-ce qu'il est possible sur ce jeu de faire des sites propres juste pour bus? C'est-à-dire, qu'est-ce que t'appelles site propre? Je parle vachement près de mon micro, non? Est-ce que vous avez des bruits de ventilation ou ça va au terme de ventilateur? Ah oui, non, c'est vrai qu'on a dit que c'était sur les rediffs. Donc c'est bon, pardon, excusez-moi, j'étais encore coincé là-dessus. pardon, j'ai rien dit. Bienvenue, bienvenue à tous ceux qui ont bien sûr sur Twitch, sur TikTok, sur Twitter, sur Instagram, follow. Des voix exclusives bus? Ouais, il y en a. Bah là, il y en a, hein. Bon, elle marche pas très bien, mais il y en a. Les maisons sur le flanc de la montagne, faut pas lancer son ballon par-dessus la clôture de Reims, tu le revois jamais plus, tu vois... Oui, bah oui, oui, faut savoir jouer au foot, quoi. Oui, bah après, voilà, aux gens de faire gaffe, hein. Moi, j'ai reconstruit des baraques. Après, si les mecs, ils sont pas capables de gérer leurs gosses,
J'en ai rien à foutre en fait. Moi je suis pas responsable de tous les gens. Je suis responsable de leur fournir des services qualitatifs. Bon. Si derrière ils sont pas capables de gérer leur bambin, je réutilise le mot parce que je l'adore, ils en ont rien à foutre. Hein? On parle là-dessus? Bon. Voilà. Voilà mes pierres. Voilà, alors, mauvais exemple en ce moment. pas le bon exemple à utiliser, je crois. Mais ça fait des belles vues, regarde ça. Ouais, bon, alors t'as une vue sur un dépôt et une gare. Et si t'aimes les trains, regarde-moi ça. Mettons que t'habites là. Bon, attends. Là, comment il s'appelle, lui? Jeremy Sheridan. Bon, il est pauvre et sans emploi. Ouais, c'est bon. Bon, il habite là, le gars. Bon, là. Tu vois, là, il est spotter, là. Là, il voit tous les trains qui passent. Et ça, bon, faut aimer les gares. Voilà, il faut aimer voir les ponts avec des bouchons aussi. Oh, le bordel. Bon, la vue est pas ouf d'ici. Attends, on va essayer de trouver un endroit où la vue est plus jolie. Oh putain, merde, on voit sur la centrale nucléaire là-bas. Mettons du château, par exemple. Mettons, t'habites au château. Bon, ce qui est un peu con parce que personne n'habite dans un château, mais... Mettons, t'habites là, là, dans les douves. Dans les... Comment ça s'appelle? Les machicoulis, je sais pas comment on dit ça. Ah! Là, faut être doucement avec la souris, hein. Oh, les textures sont pas mal. Regarde-moi, t'as une petite vue sympa, quand même, là. Lève le matin. Bonjour les gueux. Eh, ça fait quand même ville hein. Oula. Tiens, pour un jeu vidéo, je trouve qu'on est quand même sur un truc plutôt réaliste. Regarde ça. C'est pas mal hein. Machikoui, c'est ma famille pirate. Ah merde, pardon. Mais qui mélange tout. Pardon. On peut se tromper. Salut, c'est bien hein. Ouais, il y a du réalisme là-dedans. Regarde ça. T'as l'impression qu'il y a de la vie. La petite église là, bon qui est une cathédrale mais. Eh, ouais, c'est bien, il y a quand même c'est stylé, ouais, je trouve. Non, mais le jeu est quand même... Il y a de l'espoir. Ah, s'il y a de la vie, il y a de l'espoir. En fait, je trouve que le jeu a quand même une aura, je saurais pas comment dire. Il y a un truc organique, quand même, dans ce jeu. Il manquait un peu dans le 1, même s'il était quand même bien présent. Et je trouve qu'il y a un côté... bon, les arbres sont pas encore des tissus magnifiques, mais... Il y a un côté très vivant au jeu, je trouve. Ouais, tu peux te dire, là, je suis sur une place d'une ville française, quoi. Là, je suis à Jaude, là. Je suis à Clermont-Ferrand, là. Voilà. Et le parvis de la cathédrale. Bon, il n'y a pas de cathédrale en centre-ville, là. Mais c'est quand même... Qu'est-ce que vous faites, papy? Et les PNJ, quand même, hein. Ils ont des dégaines. Non, mais pardon. Alors, je suis désolé, mais bon, elle a un tatouage sur le bras. Bon, là, ça, c'est son choix. Tant mieux pour elle. Par contre, elle a une espèce de robe avec un t-shirt rouge dessus. Et elle a des lunettes vertes. Putain, le style avec la coupe carrée là. Waouh. Ça c'est du beau jeu. On juge un peu les gens, hein. Pardon, je me permets. Bon, là ça va, il y a pas grand chose à juger. Les chaussettes roses dans les talons, ça magnifique, hein. Voilà. Excusez-moi. Pardon, quelle faute de goût. Voilà. Alors bon, là ça va. Là ça va. Bon, après ils ont des styles un peu plus normaux, on va dire. J'imagine que les mecs sur un city builder, ils sont allés jusqu'à foutre des tatouages. En mode random aux habitants, quoi. Non, mais c'est quand même... ils ont poussé le truc, ça sert à rien. Mais je trouve que ça rajoute quand même du réalisme. Voilà. C'était inutile, mais ils ont passé sûrement beaucoup de temps à faire ça pour rien. Et c'est quand même stylé. Ouais, ah ouais, c'est pas mal beau, quand même. Hein. Ouais, ouais, c'est bien. Hein. Bon, pardon, excusez-moi, on construit rien, là. J'aime bien juste regarder le jeu, des fois. On pourrait changer les couleurs de la cathédrale. Ah non, on peut pas. Dommage. Je voulais tenter un truc, mais on peut pas. Voilà, pour que ça fasse moins Notre-Dame. Bon, le tram. Non, je déconne. Bon, là, il y a toujours de la demande en tout. Hein. Ça donne une certaine immersion. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et ça donne une certaine immersion, effectivement. Je déconne, le tram, on le fera plus tard. La cathédrale en rose bonbon. Non, mais peut-être pas non plus, tu vois. Entre les deux, quoi. Il y a un bruit bizarre, là, non? Dans ma tête. Alors, niveau détail, les tatous, ça va. Bah, quoi? Oui, mais c'est bien! C'est ça que je veux dire. C'est que c'était pas un truc forcément. Ah oui, à faire, tu veux dire? Ah oui. Bon, là, on va encore avoir un peu dénivelé, je pense. Hein. Voilà, on va pouvoir ajouter des petits quartiers ici, là. Voilà, superbe. Après, je pense qu'on va être au max de la pente, là. On va pas trop pouvoir construire plus, là, après, je pense. On va commencer à être limité, là. Déjà que là, on est un peu forcé sur la pente. T'as pas eu le message d'avant? Ah! Dans la Gitoon de sécurité à l'intérieur des parkings, tu as les écrans, les claviers. Oui, j'ai vu, oui, c'est vrai. Oui, j'avais déjà vu ça, oui, c'est vrai. Je sais pas pourquoi ils sont allés autant dans le réalisme. Putain, ça commence à donner une belle ville, j'aime bien.
Là, on pourrait continuer à mettre quelques commerces. Voilà, petite zone commerce, bureau, à côté du parc des serveurs. D'ailleurs, en termes de poste, ça fait longtemps que j'ai pas mis bureau de poste. Ah bah oui, ça se voit. Peut-être un petit bureau de poste, ce serait pas déconnant. Voilà, parce que du coup, les gens, ils peuvent pas aller à la poste. Et s'ils peuvent pas aller à la poste, ils sont pas contents. Et s'ils sont pas contents, ils payent pas leurs impôts. Et c'est chiant. Voilà, petit bureau de poste en plus. Mais pourquoi tu passes pas le pinceau de terraforming aux maisons et bâtiments qui construisent avec des falaises? Bah ouais, ça change pas bien grand-chose, hein. Ah, petit bureau de poste, c'est bon. Ah, il faudrait qu'on fasse ici. Il faut qu'on fasse une zone de dépôt. Ah bah en vrai, en face de la déchetterie, on pourrait faire une zone de tri postal et de. Attends, on va faire une zone de d'hélicoptère de pompiers déjà. Voilà, on va la mettre ici en face de la déchetterie. Ouais, bah je peux la mettre. Et on va mettre une zone de tri aussi. Pas sûr que ce soit une bonne idée ici. Il faudrait qu'on fasse une connexion à l'autoroute. Je pense qu'ils n'ont pas cherché à aller autant dans le réalisme, mais ce sont les assets qu'ils ont achetés qui sont comme ça. Ah, ils ont acheté les assets? Ils n'ont pas créé eux-mêmes? Histoire qu'il y a de l'herbe et pas la roche, non? Attends, j'ai pas compris. Ah oui! Qu'il y a de l'herbe et pas de la roche. Ouais, après, s'il y a de la roche, c'est pas grave. Hein. Après, je pourrais prendre des thèmes hein, de map. Hein. On pourrait prendre des thèmes de map pour la rendre un peu plus différente hein, sur le thème. Voilà, c'en est un. Bon, j'en ai d'autres, hein, je ne sais pas pris là, mais... Tu vois, celui-là est peut-être plus joli que le défaut, par exemple. En tout cas, sur la roche, je trouve. Tu vois? Non, mais c'est pas ça, alors. Ça change rien. Apparemment, ça... Bah, ça change rien. Ah, si, c'est sur l'herbe. La grâce, c'est l'herbe. Mais pourquoi ça change rien? Ouais, ça fait un joli mélange des deux. Bon, bref. Bonne soirée, Yas Gaming. Langue droit, route, garde, échange, refait, STP, je t'en conjure. Là? Ouais, c'est vrai que c'est un peu de la merde, là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que c'est pas ouf, ça. T'as raison, je t'en conjure carrément. Ah oui, putain, tu rigoles pas, toi. Mieux comme ça, voilà. Ouais, ça pourrait faire une petite zone de dépôt, là. On pourrait mettre le centre de tri postal aussi. Qu'on peut améliorer, d'ailleurs. Directement. C'est quoi? Rampe de chemin. Ouais, ça c'est bien. Voilà. Comme ça, on sera pas mal. On aura un joli centre de tri postal. Mais par contre, tu vas beaucoup mieux. Bon, tant mieux. J'en suis heureux. Par contre, il faudrait quand même qu'on fasse venir. Avec des parkings pour les employés, c'est vrai. Bien vu, tout à fait. Effectivement. Oui, tout à fait. Non, mais vous êtes là pour me rappeler mes. Quand j'oublie de faire les trucs. Zone de parking, effectivement. Voilà. Il faudrait quand même, mais même d'ailleurs ici j'en ai pas fait non plus hein, d'ailleurs. Ah bah parce que c'est un bâtiment là. Ouais alors là, par contre on va mettre des petits parkings. Ah si on peut mettre des petites zones de parking là. Par contre il faudrait quand même que ça vienne directement de l'autoroute parce que là ça va être le bordel. Hein. Si on fait pas venir une route. Parce que là le truc c'est que tous les camions ça veut dire qu'ils vont passer là. Ah ouais c'est trop l'enfer. Parce qu'il faut qu'on fasse une sortie dédiée juste là, quoi. Et en même temps, je veux pas que les voitures passent là non plus. Donc, il faut pas faire une route qui soit trop obvious pour les voitures. Je sais pas comment vous dire. Il n'y a pas même pour régler la pente douce comme sur le 1. Non, pas encore. Il n'y en a pas encore. C'est vraiment le mode qui me manque le plus. Parce que sinon, crois-moi, je m'en servirais beaucoup plus. Parce que déjà, là, les camions de poubelle, ils doivent se retrouver un peu dans la circuit. Mais tu vois, je veux pas faire un... Tu vois, les camions, ils passent où, là? Des bus? Il n'y a pas de camions, en fait, dans cette ville. Comment ils viennent, les... Bon, ils viennent, le courrier vient comment? Putain, ça fait 165 salariés, ça? Et ça fait combien? 140? Putain, mais ça crée vachement d'emplois, toutes ces merdes, là. Imagine? On en est au chômage? Ok. Ouais, mais ça fait... Parce que le problème, c'est que si je mets un échangeur, les gens... Je les connais, les mecs. Hein. Les gens, ils sont pas cons. C'est ce qu'ils vont faire? Plutôt que de passer par là, ils vont passer en plein milieu par là. Bon, après, tu vas me dire, est-ce que c'est grave? Oui, c'est grave, pour la circulation. Donc, est-ce que c'est top? Je sais pas. Il marche, ce bâtiment, là? Je vois aucun hélicoptère. Je sais pas trop comment faire, je dois vous avouer. Ça, c'est quoi? Attention, stockage. Bon, on est bon sur le stockage, là, non? On est bon. J'avoue, je saurais pas trop comment faire, ici, là. Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. Mais il y a aucun camion qui vient, là? Y a aucun camion qui vient jusqu'à la zone de dépôt là. C'est étonnant. Ah oui, les hélicos ils spawnent quand il y a le feu. Ah oui, ils sortent du. Ah oui, comme dans GTA. Y a un mec qui fait E là.
et qui fait sélectionner l'hélicoptère, puis hop, il sort du sol. Bah, bien sûr. Bah, ça, c'est la technologie. Hein. Ça grossit bien quand même. Ouais, on va laisser comme ça, on verra si ça, fait, ça crée des bouchons. Ça, c'est quoi? Ouais, c'est qui en poubelle. Après, là, il est minuit et demi, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de circulation, donc forcément, ça va. Mais bon, on verra après, alors. On verra quand ça va grossir. Là, on a une belle zone où on va pouvoir construire aussi, hein, parce que c'est quand même plutôt plat. Il y a une route nationale qui passe à côté. Ça va être pas mal. Et là, là, c'est pareil, c'est bien plat, on pourra bien construire aussi. Hein. Et même d'ailleurs, on pourrait commencer à penser à faire un... Attendez, à faire un rond-point, là. Là, il y a besoin d'un rond-point, là. Je suis de nouveau en crise. Crise de rond-point. On va faire une grosse route qui va traverser entre la poste. Ils ont plus de camions, ils ont des kangous électriques. Oui, mais bon, il faut bien que le courrier il arrive à un moment de quelque part. Le courrier il arrive en kangou chez toi. Mais jusqu'au centre de tri, il y a les camions. Voilà, ça c'est pas mal. Nickel. Des stades de fou. Ah oui, c'est vrai qu'on a pas fait trop de stades de sport. Enfin, c'est vrai, j'oublie ça. Tac, voilà. Et ben, bah, par là. Ben, nickel, c'est un peu plat là. Enfin, c'est un peu plat. Il te fait hein, quand même. Hein. Petit terrain de sport, j'avoue. Alors, terrain de foot. Eh ben, Les terrains de foot ici. J'ai mis vraiment mis en random au milieu de nulle part. Des petits terrains de basket, là. Petit terrain de basket, là, tiens. Il y a de la place, là. Je me dis, ça peut être bien, voilà. J'ai toujours des petites activités. Qu'est-ce qu'il y a, là? Quoi, toi? Oui, bah, dégage si t'as pas de connexion, en fait. Oui, bah, tu me fais chier. Voilà, donc tu te casses. Et voilà. Le foot avec l'avant derrière, pas fou pour les ballons perdus. Oh, bah, écoute, ils ont qu'à faire gaffe, hein. Ah oui, merde. Ah oui, le ballon, il peut finir loin, ouais. Et il y a déjà des SDF. C'est fou. Comment ça se fait? C'est compris dans, dans l'item du jeu ou du bâtiment? Alors attends, ce qu'on peut faire sinon, c'est tourner le bâtiment pour que ce soit un peu moins emmerdant, on va dire, le côté pente. Alors attends, par contre, il a bugué. Donc on va le remettre. Le SAD veut vendu avec les SDF. Ouais, c'est chiant. Ah, c'est chiant, j'ai rien contre, hein. Merde. Merde, c'est le début du... Merde. T'es pas prêt de jouer sur le terrain du coup avec les SDF. Oui, bah après, ils se débrouillent. Encore une fois, moi, je fournis des services. Les gens se démerdent après. Hein. Moi, je suis pas garant de ça. Hein. Voilà. Oula. Ouais, bon, bah non. Attends. Ah, quoique, le terrain semi-enterré, c'est pas mal, ça. Et ça s'est fait tout seul, mais j'aime bien l'idée. Voilà, petite route devant. Petite route derrière. Non. Ça rend bien, ouais, ça rend pas mal, hein. C'est un peu bizarre, mais... Comme ça, tu peux regarder le match de foot depuis la route. Là, c'est bien. Ah si, c'est pas mal, hein, ça fait un gradin... Ça fait un gradin naturel. Ah, j'aurais dû mettre les gradins côté rue. Oh bah, tant pis, hein. Oui, je suis soumis à une obligation de moyens, pas de résultat, effectivement. Ouais, ouais. C'est pas marqué dans mon contrat. Et on met un petit parking quand même, parce que pour les gens qui viennent faire du foot. Ils adorent le foot. Ah, ils sont bien, ceux-là. Oh, je les aime bien. Oh, bien ça, nickel, parfait. Et ben voilà. Voilà, vous m'avez demandé un terrain, j'en ai mis un. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Hâte de voir un accident de voiture et une voiture sur le terrain de foot. C'est possible. C'est possible. C'est malheureusement... Oui. Ça fait un peu bizarre, là. Les dernières maisons, là. Un peu trop, le terraforming, là. C'est pas foufou là. Hein. Pas trop terraformé un peu ça. Hein. Ouais, c'est pas très très beau là. Hein. Ça fait un peu trop. Ouais. Je sais pas si je peux arranger un peu ça. Ouais, pas beaucoup mieux. Hein. C'est un peu. Ça c'est chiant. Hein. C'est chiant qu'il y ait aucun jeu où ils aient trouvé une solution pour le. Pour ça quoi. Bon, c'est un peu mieux déjà. Là c'est pareil. Ouais. Ouais, il n'y a pas vraiment de soluce à ça. Hein. C'est toujours un peu dégueu hein. Quand tu construis en montagne. Comment ils font les architectes là? Ouais, c'est un peu mieux. Déjà. Bon, c'est pas encore ça, ça. Hein. Je pense que les SDF sont fondés avec le stade, c'est possible, ouais. J'aurais dû mettre un grand stade comme le Parc des Princes pour 60 000 habitants. C'est un peu trop. Hein. 18% de chômage en tout cas. Peut-être bientôt un DLC montagne. Oh, je crois pas, non. Non, je crois pas. Je crois pas que ce soit vraiment prévu. En tout cas, le chômage a bien baissé depuis le début du live. C'est faux! Allez. Pas du tout, il a augmenté, je crois. J'arrive pas à le faire baisser, c'est fou, hein. Pourtant, je m'implique, hein. Mais pas moyen.
L'éducation, c'est de la merde. Superbe. J'adore. Il y a encore beaucoup de demandes d'habitation. On va commencer de construire par là. Hein. C'est quoi ? Il y a de la demande. Ouais. Ah, mais là, c'est vrai qu'on n'a pas trop construit non plus. À côté du lac. Il manque des choses alors. Ah bah oui. Eh, ça commence à être joli. De loin, là. En vrai, quand on arrivera dans la plaine pour construire, ce sera quand même vachement plus simple. Hein. Là, c'était vraiment le plus dur, hein, mais là, ça va commencer à être beaucoup plus simple. C'est quand même vachement plus plat, même si c'est pas si plat. Bon, alors, on va commencer de faire une petite zone ici. Et demain, on fait le tram, alors. Si je stream demain, on fait le tram. Pas sûr encore qu'il stream demain, mais s'il y a stream demain, je vous jure... Ah, mais on devait faire les Sims 4, mais on repoussera mardi. S'il y a un stream demain, on fait parc. On fait tram. Je le dis... Je le ferai pas. Peut-être. Donc là, on peut continuer une zone de semi-bureau, là. Hop, voilà. Avec des semi-commerces. C'est un nouveau concept que j'ai inventé. Quoi ? Ça a tout détruit, là ? Pourquoi ? Non, partez pas ! Ah bah tant pis. Salut mon pote. Tête de basket. Mais quoi ? Pourquoi cette tête de basket est STP ? Tu vas mourir si j'en fais pas, c'est ça ? T'en conjure, non mais ça va pas, non ? T'en conjure, on est chez fou, là. Hein. Là on va, ouais mais alors là on va pas trop comme ça là, mais ça va pas faire très beau là en termes de terraforming non plus là. Ouais, ça au niveau des routes c'est moins choquant. Et là on peut faire des petites maisons le long là. Voilà, pas mal. Qui, ouais bien. Au chalet, quoi au chalet. Bienvenue à tous ceux qui l'ont joué, bien sûr, sur Twitch ou TikTok. J'espère que vous allez vous passer une bonne journée. On est sur Skyskins 2. N'hésitez pas à nous rejoindre comme d'habitude sur Instagram, sur Discord. Également, si vous avez des questions d'ailleurs sur le jeu, n'hésitez pas sur Insta plutôt que de me les envoyer à MP, c'est chiant parce que ça fait répondre. Voilà, alors que sur Insta, sur Discord, il y a toujours des gens fifous pour vous aider. Voilà, je le rappelle hein, quand même. Mets des murs. Mais je peux pas mettre des murs. Et on avait un mode avant. Il existe plus là, extend de machin là. Il y avait un mode qui a rajouté des trucs là. On pouvait mettre des murs et tout. C'était vachement bien. Il existe plus ce con. Oh, ah ouais, putain, c'est ça qu'on devrait faire là. Je vais remplacer tout par des. Les gens ils arrêteraient de se garer sur le bord des routes, ces cons là. Ah oui, j'ai pas mis de zone de parking là d'ailleurs. Ils peuvent pas se garer. C'est pour ça qu'ils se garent sur les routes. Parce qu'ils peuvent pas se garer. J'ai pas mis. Oh là, j'ai mis zéro parking en centre-ville. Oh, ah oui. La disponibilité des parkings en centre-ville est un peu nulle. Très très nulle même. On va en rajouter quelques-uns. À des endroits de manière complètement random. Là, près des bureaux, ça peut être pas mal. Voilà. J'ai dit, je les mets complètement random. Hein. Là, non. Là, non. Parking à étage. Parking à étage. Mais ils sont gros les parkings à étage. À la limite, ceux-là. Mais ceux-là, ils sont gros aussi. Non, mais ceux-là, ils sont très gros aussi. Mais les parkings à étage. Ah si, celui-là, il est pas très gros. Non mais de celui-là là, voilà, et que parking en plus. Et pourquoi c'est tout rouge les parkings ? Non, genre il y en a plein là. Ah mais c'est ça qu'on aurait dû mettre devant la gare. Donc il y a un parking nul au sol. Il y a des gens qui prennent le train ? Non. Est-ce que tu peux faire des logements à étage, pas un bâtiment mais comme les parkings à étage ? Une tour, quoi ça s'appelle ? Attends, j'ai pas compris la question. Est-ce que tu peux faire... Attends, j'ai pas compris. Ça s'appelle une tour quoi ? Est-ce que ma ligne de bus agriculture, elle fonctionne ? Eh ben, n'empêche. Un petit peu. Bon, pas beaucoup. Elle transporte quand même 26 personnes. Et ça fait 26 voitures en plus, alors qu'il y a 6 bus. Donc ça fait 20 voitures en moins. Super ! Aïe ! Oups. Bon, ça, va falloir qu'on remplace. Hein, parce que ça, c'est le premier tram qu'on fait, c'est ça. Hein. Ouais, ça, on va pas avoir trop le choix. Hein. Là, malheureusement... ouais, en plus, même en termes de capacité, le truc, c'est que les trams, ils font quand même... Alors, je sais plus combien ils font, les trams de capacité. Attendez, faut qu'on teste un truc. Combien ils font de capacité, les trams ? Attendez, on va faire un test vite fait. On va faire un test. Attends. Combien ils font de capacité, les trams ? Je me souviens plus. On va faire un test. Faisons un test de tram. On va faire une ligne d'essai. On met un dépôt de tram. Tac, voilà. On met une voie de tram. Paf, paf, on s'en fout. Ouais, mais il peut pas repartir en arrière, là. Ah, oh, mais ça marchera pas. Bon, attends. Voilà. Voilà, et là, normalement, ça marche pas. Si, c'est bon, il pourrait partir en arrière. Donc là, on fait un test de tram, parce que je sais plus comment ça marche.
La attaque. Il me c'est con du coup là. Non mais je sais pas si ça va marcher mon histoire là. Ah voilà. Et on clôture ici. Voilà. Combien ils font de... Est-ce qu'on a des choix de trame ou pas? Oui. Ah oui, on a des trames... Attends. Ils font quelle taille? Ils font 400 personnes? Ah la vache, oui, c'est pas mal 400 personnes. Mais ça, c'est les trames de base, ça? Ah non, c'est pas les trames de base, ça. Ah, mais ils ont pas l'électricité, du coup, ils marchent pas. Oh, ils me font chier. C'était juste un test, en fait. Voilà. Bon, vous avez tout, maintenant. Et du coup, ils vont pas marcher, sinon. Oui, bah oui, je vois bien qu'il y a pas de véhicule. Allez, sors-moi les véhicules! La ligne de bus est rouge, c'est pas la... et c'est la plus utilisée, bizarre. Pourquoi bizarre? Ah! Ils sont tout petits ceux-là! Ils font combien ceux-là? 240? Ah oui, c'est ceux de base ceux-là! Et après, on a des plus gros. Donc 240, c'est pas mal. Mais c'est que les gros, ils sont gros, hein. Ah, mais on peut choisir dans deux segments? Donc là, ça, c'est un 3 segments, je pense. Ouais, c'est ça. Et on a quoi? 4 segments, ça fait quelle taille à peu près? Et je veux les voir, mon dieu! Non, mais je commence. Faut réfléchir en amont, hein. Pour le train, le mieux c'est 5, le plus réaliste je trouve. Là c'est 4. Le 4 est pas mal aussi. Hein. Le 4 est pas mal, il fait 320. Et après on a le 5. Mais 5 ça va être gros. Hein. On a 6 même. Mais 6 c'est vraiment gros. Hein. Bien foutu les dépôts de tram quand même. Hein. Vas-y, sors-nous-en là, on veut les voir. Ah, ça c'est 6. Oh, mais t'as vu la longueur? Ah oui, il faut 480 places, mais voilà. Ah, ça fait une belle ligne... Non, mais attends, 6, c'est un train? Non, c'est trop, 6. 6, c'est trop. On fera 5 max. Ah ouais, 6, c'est... Ouais, 6, c'est trop. 5, je pense que c'est pas mal. En plus, 480 places, voir 5, ce que ça donne. Oh non, 6, c'est beaucoup trop. Ouais, le chômage à 15%, let's go. Ah voilà, 5, ça, c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Même 5, je trouve que c'est un peu long. Hein. Moi, je serais plus sur des 4, hein. Parce que 5, salut Asmo, bienvenue à toi, comment ça va? 5, ça me paraît un peu trop long, déjà. Ça c'est 5. Ouais, 4, c'est pas mal. 4, c'est bien, 320 places. Ouais, moi, je pense que ça va suffire. Hop, allez, on détruit tout ça, c'était juste pour tester. Voilà. Ah merde, je vais pas enlever la ligne. Hop. Hop, voilà. Bon, mesdames et messieurs, on s'arrête là pour ce soir. On se retrouve peut-être demain.